Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien. Salut à toi Okapi, salut à toi Noobest, salut à toi Ju, salut à toi Lancelot, salut Eltanaos et rebonjour Tyran Juif. Effectivement, on s'est croisé sur un chat ce matin. Nous parlions des meilleures transformations de Sangohan et du Duel Commander. Et pour vous donner mes préférés, c'est Sangohan SSJ2 et le Duel Commander, c'est bien. Voilà. Comme ça, vous savez, vous êtes au courant. Néanmoins, le débat a été si Mystic Gohan lui était rincé. Non, il est quand même très très bien. Salut Captain Mathieu, salut Clark, salut Nouba, salut Daimy, salut Charles Bovary, salut Scorel, salut 51, salut à tous. Aujourd'hui, on va juste... En fait, ce stream va être la continuité de mon après-midi, c'est-à-dire essayer de passer top 1000 dans ce foutu ladder mythique. Donc en fait, comme ça fait à peu près 4 heures que je joue, bah, je vais juste continuer à jouer dans ce ladder mythique, toujours avec le même deck, celui avec lequel on est passé mythique. Je l'ai tweeté, donc Temur Monster, deck homemade, une espèce de version de Gruul, mais avec du late game Krasis. Alors la version a bougé, on a essayé Climb, on a essayé Zegana, on a essayé plein de trucs dedans. À la base, il y avait des Warboss qui sont devenus des Brisor. Bref, il y a une vidéo qui vous expliquera le build et comment on a pensé le deck. Et puis voilà, je vous montre vite fait ça et puis on va partir en game, tranquillou. Vous noterez l'absence totale d'interaction, c'est voulu, hein. Seule Vivienne est une interaction dans le paquet. Gohan, ils ont relancé ça chez Antares après. Eh ouais, écoute, ça fait débat, hein, ça fait débat. 30 ans après, on se demande encore quel est le meilleur Gohan. Kina a essayé de le jouer ce matin. Alors quand tu dis essayer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'a pas marché? Parce que moi, franchement, ça marche bien. Hein. Et je vous dis, 6, en diamant 1, j'ai fait 6-0 avec le paquet. Peut-être qu'il ne répond qu'à moi, je ne sais pas. Mais je suis content que d'autres streamers s'emparent du bousin, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On démocratise des decks et tout, c'est cool. Alors j'ai essayé aussi de démocratiser un truc. Pomif, s'il est sur ce stream, pourra en témoigner parce qu'on s'est affronté dans le Ranked Mythique hier. Donc c'est Sultai avec Acquisition de l'Esprit Supérieur. Donc Sultai Mind, pareil, bousin qui vient de ma propre conception. Mais c'est moins bien que Temur Monster, disons que c'est moins rectiligne quoi. Ça va, il a bien marché hier, il a dit 10-0. Oh bah ça va, 10-0 c'est bien. Non, il n'y a plus la grosse gouivre, Clerc, désolé. Non plus, pas de Ferox. Et là tu vas stream et tu vas full lose, mais comme à mon habitude de toute façon. Donc du coup je vais peut-être moins me concentrer sur le chat, vu que je suis dans le rang mythique et que j'aimerais bien un petit peu monter. Peut-être que je vais juste répondre à vos questions entre les games ou suivre le chat, mais peut-être être moins bilvesant, si je puis dire. C'est-à-dire, je vais moins raconter ma life, si ce n'est que ça. PL a tenté hier, c'était pas dingo. Écoutez, je vais essayer de rendre ça un peu plus dingo. PL l'a joué hier, le Sultai et le Sultai Mind. Et je lui ai envoyé la liste, il m'a pas fait de retour sur Sultai Mind, il m'a dit qu'il avait un petit peu joué... Ah si, il m'a dit qu'il avait fait 1-3, si, je vous dis des bêtises. Ah oui, je lui ai envoyé ça dans l'après-midi, je lui ai dit tiens gros, teste ça. Et moi hier soir j'ai eu un ratio intéressant, en fait je tombais beaucoup sur Esper Control, et franchement cette liste contre Esper Control elle est vraiment bien, elle est épuisante pour lui. On a disputé un match avec Pomi hier soir qui était vraiment très très cool, assez long. Mais peut-être que si vous tombez sur autre chose, c'est pas forcément le deck le plus relevant. Du coup, moi, je suis revenu sur Temur Monster. Alors, ce deck-là est vraiment bon. Par contre, vous abandonnez l'idée de gagner contre Mono Blanc. Voilà. Genre, ce deck-là ne peut battre Mono Blanc sous... Qu'importe la sortie, qu'importe l'aspect de la game, c'est quasiment impossible de battre Mono Blanc. Voilà. Il faut juste acter ça, quoi. Donc, voilà. Salut à tous. On va partir, du coup, sur ce petit ladder. Et je vous salue tous. Une dernière fois avant de lancer... Je voulais juste savoir si la musique n'était pas trop forte, je vais peut-être un petit peu la baisser. En tout cas, de mon côté, elle l'est. Je vais vous la baisser, histoire qu'elle ne vous pollue pas l'oreille. Voilà. Très important, ça. Et puis, c'est parti. Salut, ma chouse. Non, il n'y a pas de maîtrise. Alors quand il y a Elf, Marcheur et ou des bêtes Explore, généralement c'est des mains qui se gardent facilement. Il manque le rouge pour faire Brisor T2, ce qui est un petit peu dommage. Mais généralement j'arrive à garder des mains comme ça, même si c'est vrai que j'ai pas de follow là pour le coup. On fera une Krasis T3 pour piocher. C'est une Natal, ça fait un bail qu'on t'a pas vu, comment tu vas?
Ouais, grave nous best, on est grave chaud pour monter à Tours ce week-end. Bah ouais, avec plaisir. Ça fait vraiment plaisir que bah, qu'une structure comme Solari ait pensé à nous pour venir caster l'invitationnal. Nous, on l'aurait casté de chez nous dans tous les cas. Et bah, franchement, aller prendre de l'expérience là-bas sur une TV aussi professionnelle et tout, bah avec plaisir. Franchement, c'est cool. Merci à eux encore une fois. On est juste refait quoi. Ok, donc on prend espère. Y aurait-il un lien vers la decklist? Je vais te la montrer après. On n'a pas mis de lien en fait. Comme on n'a pas fait de decktech sur YouTube, j'ai pas de lien. Peut-être dans la rediff de stream, j'essaierai de te foutre un lien sur la DL. Sinon là, je vais te la montrer comme ça et puis ça va le faire quoi. Bon, lui, il avait tout déjà. Et moi, je land drop pas. Donc celle-là, elle est compliquée. Votre cast de Kawa et Kina, vous le faites où ça au juste? En fait, le cast avec Kina et Kawa, c'est de 15h à 19h sur la chaîne de Kawa et de 19h à 23h sur notre chaîne avec PL. C'est juste histoire qu'on se stream pas sur la tête. On va quand on veut chez eux de 15 à 19, ils viennent quand ils veulent chez nous de 19 à 23. Et après, Kina et Kawa, ils feront l'entièreté de leur cast sur la chaîne de Kawa, je crois, de vendredi à dimanche. Et nous, on le fera chez Solari à Tours. Voilà comment ça va se passer. Mais on le fera par comment dire, par Discord interposé pour Kina et Kawa. On ne sera pas IRL avec eux. Pour des questions de logistique, ce n'était pas possible. D'autant plus si on devait être à Tours le lendemain, quoi. Ok. Alors lui, vraiment, il fait tout pour qu'on puisse pas gagner cette game. Ça fait une trotte pour aller à Tours pour vous. Ça fait une trotte, ça fait un train. C'est juste, on va prendre un train tout simplement. Ok, il joue ça, c'est étonnant. D'accord. Quoi, j'espère que vous allez tous suivre l'invitationnal. Qu'importe que ce soit sur Solari ou ailleurs, nous on préférait que vous veniez nous soutenir et que vous fassiez partie de la communauté Valet PL et que voilà, qu'il y ait un chat super dynamique et compagnie, évidemment. Mais dans tous les cas, juste regardez cet événement. L'invitationnal, ça va être incroyable. C'est le combat des légendes. Il y a plein d'histoires à raconter. Il y a énormément de matchs qui vont avoir du sens, qui vont être des revanches. Je veux dire. Il y a beaucoup de gros matchs qui peuvent se profiler. Rien que j'ai regardé les poules, moi j'ai déjà fait quasiment tous mes matchs. C'est comme pour la Coupe du Monde, vous mettez vos noms et à la fin vous avez le top 16 final. Et ben moi j'ai déjà fait mon top 16 final et Mamma Mia, c'est du lourd, hein, je vous le dis. Hein. Donc vraiment, regardez cet événement. Ouais, le groupe C est énervé, mais il n'y a pas que le groupe C. Putain, je sais pas si j'ai mes pronos avec moi. Bougez pas. On travaille beaucoup en tant qu'AED, hein. Voilà, regardez ce qu'on fait. Hop. Et donc si je puis me permettre, il n'y a pas que le groupe C qui est assez énervé, il y en avait un autre qui me paraissait bien relevé. Oui, je trouve que le groupe D, notamment le groupe de notre ami français Germain Eldepraz, est quand même pas forcément des plus sympas non plus, quoi. Effectivement, il est quand même moins relevé que le C. En fait, tous les groupes sont énervés de toute façon. C'est pas vrai, tu es un juif. Merde. J-Rock est dans le D, ouais, effectivement, Clerc. Ouais, en fait, c'est juste que t'as des groupes qui ont plus d'influenceurs qui ne viennent pas du milieu Magic Arena. Enfin, qui viennent pas du milieu Magic. Et des groupes avec beaucoup d'influenceurs qui viennent du milieu Magic parce que. Quand t'as un influenceur, enfin un mec qui est invité qui s'appelle Louis Scott Vargas, c'est pas pareil qu'un mec qui est invité et qui à la base vient d'un jeu comme Hearthstone. Le niveau est pas le même. Donc en fait, quand on vous dit qu'il y a 32 joueurs MPL et 32 joueurs non MPL, techniquement, il y a quand même genre entre les grinders du top 8 qui sont aussi des régulars du circuit MTG et quelques influenceurs, il y a bien entre 8 et 10 noms supplémentaires qui ont à peu près le niveau MPL. Et c'est ces mecs-là qui font que le groupe est plus ou moins relevé, je trouve personnellement. Lui, il est juste en train de nous saucer. Je regarde même pas ce qu'il fait, mais.
Ok, bon bah super, tiens, j'espère qu'il n'aura pas de problème, j'ai hâte de pouvoir le suivre. Salut Anta. Comment suivre l'événement? Vous allez le stream? Ouais, tout le monde peut le stream en fait. Il y a un co-stream qui est ouvert par Wizard, donc tous les acteurs du milieu MTGA, vont pouvoir streamer l'événement. Je sais que le jeudi, on le castera à partir de 19h sur notre chaîne. Avant les 19h, de 15 à 19, ça sera chez Kawakawa. Et puis après, pour le week-end, on ira le caster à Tours, chez Solary. Donc tu pourras trouver le cast entièrement sur la Solary Event, qui est une télé spéciale event chez Solary. Voilà, on a vraiment hâte d'y être. Ça va être génial. Super de prendre soleil immortel. L'immortalité du soleil. Est-ce qu'il a un plan de jeu machiavélique pour me tuer ou il fait juste du CA avec ça? Ok. Pour l'instant, j'ai pas vu de plan de jeu machiavélique. Ouais, c'est juste pour le dimanche, ça passera carrément sur la TV Hearthstone pour la finale, Asrarn, à partir de 17h30. Ouais, merci Machouz, il vous met tous les liens, et notamment, dans tous les cas, demain soir à 17h, mercredi soir du coup, sur notre chaîne YouTube, il y a une vidéo récapitulative déjà de l'événement, sa structure, quel est le format qui va être joué, quels sont les acteurs principaux, c'est-à-dire on va vous présenter un certain nombre de participants, qu'ils soient joueurs de la MPL ou alors joueurs invités, pour vous présenter un petit peu les forces en puissance, quelques histoires et quelques-uns de leurs palmarès, histoire que vous puissiez, pour ceux qui ne connaissent pas le circuit compétitif, voir qui sont ces mecs-là et pouvoir suivre des gens, entre guillemets. Et puis on vous expliquera aussi où est-ce que vous pourrez trouver les différents castes. Donc voilà, demain soir à 17h, vous aurez toutes les réponses sur la chaîne YouTube. Merci à toi, Sioul. Bon, je vais me reconcentrer sur mes games, du coup. Même si ça-là a l'air bien perdu, du coup. Ouais, j'ai tellement hâte. Genre, c'est incroyable parce que j'ai autant hâte de le caster. Déjà parce qu'on va chez Solary et que c'est quand même assez impressionnant. Mais j'ai vraiment aussi vraiment hâte juste de le voir en fait. En tant que simple spectateur, c'est un truc, je me délecte de ce niveau de compétitivité. Et je pense que ça va être un show incroyable. Et je pense qu'il va y avoir des games incroyables et des histoires à raconter incroyables, plein de revanches, je sais pas, genre. Bah, si demain il y a Dépraz contre Char Chénard, bah, c'est un peu une revanche de la finale de la World Cup. Il y a eu un match aussi assez emblématique à la World Cup, c'est les Italiens contre les Français. Donc Dépraz contre Mengucci, ça raconte un truc. Hélène Bogen contre LSV, ça raconte quelque chose. Dominguez contre Jensen, c'est la finale de la Coupe du Monde 2017. Où Dominguez perd en finale contre Jensen, revient en 2018 et la gagne. Donc là aussi, il y a des choses à raconter. Vous avez Dominguez aussi qui peut tomber sur sa petite amie. Qui fait partie des 8 grinders qui ont fini top 8 du ladder. Enfin, il y a des duels, il y a tellement de trucs qui vont être pour les néophytes, bah juste des mecs qui jouent à Magic interposés. Mais pour le mec qui connaît un peu le circuit compétitif, il y a des histoires à raconter, il y a moyen de faire passer des trucs et franchement, j'ai hâte, vous imaginez pas quoi. Voilà, je joue Temur Monster V4 Vendetta. Donc j'espère qu'on pourra vous faire vivre ça de la meilleure des manières. J'avoue ma chose. Et merci à Lubricat pour ton don. Merci beaucoup. Merci énormément. La crème de la crème pour un mythique quoi. Ouais, ça va être dingue. Mais ça va être dingue. Enfin les gars, c'est ouf. Il y a 64 joueurs, il y a 32 monstres, 10 mecs ultra chauds et le reste des influenceurs qui sont pas là par hasard non plus. Dans tous les cas, c'est quand même des mecs qui jouent régulièrement et tout. Donc c'est juste méga lourd. Tant mieux. Bon, je gagnerai plus cette game, voilà, qu'on cède. C'est beaucoup trop long. Il est à 20, j'ai mon plan de jeu qui est en train de s'essouffler. Lui, il fait beaucoup de magie, j'ai aucune interaction, ça ne sert à rien. Non, alors,
pour le coup, Natasha, tu dis à 6 niveaux, c'est tous des monstres. Mais non, il y a des mecs qui sont pas des monstres, il y a des mecs qui sont juste invités en tant qu'influenceurs et qui ne viennent pas du circuit compète de Magic et qui ne sont même pas des spammers de MTGA. Donc il y a quelques noms qui sont pas des monstres. Mais le bon trois quarts ont tous un très gros niveau, quoi. Salut Kawa. Il manquait que moi et ça aurait été parfait. Effectivement, il manquait un peu plus de français si c'était. Si ça avait été possible, si ce n'est que mon avis en tout cas. Genre un mec comme Raphaël Lévy aurait pas été trop dans les influenceurs, par exemple. Il y a déjà Gabriel Nassif, ce qui est très bien. Ok. C'est un peu rincé comme main aussi ça. Hein. Ça peut vite ne rien faire. Bon, regarde. Salut Malima. Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, puis j'ai hâte de voir à quel point ça va être un show, le budget, la déco, enfin. Vraiment, je suis un gosse, hein. Je suis un putain de gosse, j'ai hâte de voir ça. C'est ma petite. Comme quand j'attends la Coupe du Monde de football pour passer un bon moment, quoi. C'est comme ça qu'on dit c'est un bingo? On dit juste bingo. Ok, je vais me faire satelliser parce que j'ai pas de moyen d'explore. Donc ça va être très complexe. C'est un bingo! C'est comme ça qu'on dit c'est un bingo? On dit juste bingo. Ah, j'espère Kawa qu'ils se sont gardés le mode spec et qu'ils vont nous le présenter demain à l'invitationnal. Ça serait assez intelligent de leur part en termes de communication parce que sinon là on a en droit de se demander où il est ce mode spec quoi. Il n'a pas été annoncé dans le dernier patch donc. Patrick Chapin est pas invité, ma chouse. Patrick Chapin fait pas partie des influenceurs ni de la MPL. Donc il n'y aura pas Chapin. L'éternel second ne pourra pas remettre son titre de second en jeu. Je crois que t'en demandes trop, Kawa. Déjà, si la déco est plus belle qu'en Pro Tour et en GP, ce sera déjà incroyable. Comme je suis déçu. Ah, c'est vrai que Patrick Chapin, on l'aime bien. Hein. Tout le monde aime bien Patrick Chapin. On aimerait bien le voir gagner, surtout, mais. Des joueurs très réguliers, c'est déjà bien. Ok, on est en train de se faire soulever, c'est super intéressant. De se faire lever comme ça. Je vais passer à 5, c'est délicat hein, de passer à 5 quand même, hein. Mais bon. Ok, alors là j'aimerais bien répondre par Vivienne. Et je crois qu'il faut que je réponde par Vivienne, quoi qu'il arrive. Je voulais faire Krasis pour gagner 2 PEV et me mettre à l'abri. Le problème c'est que Frenzy ça peut juste devenir complètement full débile. Je crois que je suis obligé de Vivienne et d'espérer qu'il ait à peu près rien. C'est fort probable qu'il ait rien, qu'il puisse pas me tuer, que je puisse juste tenir un tour de plus, poser Krasis et commencer à faire un peu de magie. Là je vais juste double bloc et ça peut le faire. Ça peut le faire, on n'est pas encore mort. Ce serait super bien. D'ailleurs, si je trouve un marchepousse sauvage, je préférerais même. Bon, ok, d'accord. Ok, super. Merci SD Gaming d'avoir top decké parfaitement le land. Merci à toi. Alors, je vois que le chat est parti en couille. Ouais, genre Batailleville en fait. En fait, ils sont pas dans ils sont pas dans un studio ou quoi. Ils sont pas dans une pièce. Hein. Ça va se passer dans Boston, dans les rues. Et le perdant va donner sa meilleure carte. Du coup, à la fin, si tu fais deux défaites, bah, tu joues Sultai avec deux Krasis. C'est un moyen, quoi.
Je vois déjà les détracteurs, mais non. Déjà, je pense qu'il y a peu de gens qui vont jouer la version d'Ovin Acuity parce qu'elle est pas genre aussi bien dans le miroir que la version sans d'Ovin Acuity. Donc, je pense que la plupart des experts vont jouer comme J-Rock, un expert de base, mais qui joue deux Mastermind, mais qui ne joue pas le pack d'Ovin Acuity. Et franchement, moi, avoir des miroirs de contrôle d'experts, ça me dérange pas plus que ça, hein. Personnellement. Exactement, Neram. On va chez Solari à partir de samedi, enfin le vendredi soir si on arrive assez tôt, et après samedi et dimanche. Par contre, le jeudi, on le castera chez Kawa et chez nous. Ok. Mais vous n'intégrez pas la team? Bah non, bah ils ont pas de team Magic en fait, Neram. Non, on n'intègre pas. On n'intègre pas la team Solari. Mais on va caster avec Odemian, avec Beast Marmotte et avec Katar qui lui je crois vient de la TVLOL. C'est le fruit de nos esprits malades, Nero. Mais enfin en vrai, on n'a pas été chercher ultra loin, on a juste remixé une espèce de Gruul aggro à base verte avec un haut de curve Krasis. Ce qui à la base n'était pas le plan de jeu, à la base on voulait faire un vrai Temur mid, puis on s'est rendu compte qu'on a commencé à sortir toutes les interactions, qu'on a sorti les cartes spicy comme Zegana, qu'on a enlevé les cartes comme Climb, et puis ça m'a permis de passer Mythique, et en fait je pense que c'est un bon deck en vrai. Ok. Ouais, tu peux voir ça comme ça, Nero. Le chat me fait rire. Bref, je garderai. Je garderai mes rigolements personnels. Mais non, on n'intègre pas la team Solari pour ceux qui se demandent. C'est un bingo. C'est comme ça qu'on dit c'est un bingo. Ah ouais, qui sont tes idoles, Lancelot? Dis-moi, je vais te dire si on les rencontre ou pas. Parce que maintenant, les idoles, c'est la TV Fortnite. En vrai, je crois que je vais la garder. J'aime bien avoir plein de Vivienne. Celui qui a le plus de Vivienne, il va finir par gagner. Je pense, hein. C'est un bingo. Il a du mal à trouver ses C'est landes. comme ça Je sais pas pourquoi il a gardé ça en qu'on vrai. Oh! juste bingo. Oh, c'est dégueulasse ce qu'il fait là. Putain, j'ai bien fait de la garder ma Vivienne. Comment tu peux jouer Spell Pierce dans Sultai? Encore Negate, j'ai vu des versions qui jouent Negate en BO1 et franchement je valide le play, mais alors perd ce sort quoi. Ouais, bon soit. Ça vient bien de me faire les fesses, donc bon. Sultai en BO1, ouais c'est correct. C'est correct hein. C'est si tu prends beaucoup d'aggro, c'est correct. C'est bien contre Winnie White. Par contre, Temur n'y arrive pas lui, hein. Est-ce que je lui donne une cible à... Ouais, en vrai, je peux lui en donner une seule, quoi. Je peux lui donner une cible et je trade un body de merde contre un body... un chouïa moins merdique. Peut-être plutôt tenir le board avec ma Krasis. Merci à Tyran Juif pour le sub. Oh, tu l'as offert à ma chouse, bah merci pour lui. Ouh,
c'est un bingo. C'est comme ça qu'on dit c'est un bingo. Temur Agro, c'est clairement une mauvaise version de Sultai. Bah écoute, c'est toi qui le dis, Nero, mais moi j'ai un winrate assez acceptable avec Temur Agro. Donc je pense que ça n'a pas exactement les mêmes match-up. En fait, tu vas être beaucoup plus faible contre un truc comme Winnie White, mais je trouve que ma version est peut-être un petit peu plus agressive pour battre Esper par exemple. Pour mater de diamant à Mythic en BO1, moi je suis monté avec Temur Monster, donc jouez ce que vous aimez, surtout jouez ce que vous savez jouer en fait. C'est bizarre de dire ça, mais je pense que c'est la vérité. Hein. Jouez ce que vous savez jouer. Ok. Je pense que Esper Control est bon pour monter. Je pense que Winnie White est bon pour monter en B1. Moi franchement, Winnie White, je me fais ça tellement de fois quoi. Je pense que Moonrite, ça devient un peu plus compliqué. J'ai l'impression que le deck est vraiment pas très bon. Je pense que Temur Réclamation, c'est bien si vous prenez beaucoup d'Esper Control. Il y a plein de decks qui sont viables, moi, je trouve. T'as une liste Esper pour le B1? Ouais, je vais vous la montrer après. Ouais. J'ai une liste Esper pour le B1. Bien sûr. J'ai même deux listes Esper. Ou trois, si tu veux. 1000 même. Est-ce que j'ai envie de tuer ce marcheur? Peut-être. Hein. Puisqu'il est donné. S'il fait anti-bête sur marche-branche, ça me va. En plus, il a pas le choix. C'était pas très bien d'attaquer avec le marcheur, je pense. Je spamme le mono blanc, mais j'en peux plus. Franchement, moi, je prends des trucs avec mono blanc. Je suis là en mode, waouh, c'est l'enfer, quoi. Vraiment l'enfer. Genre, une carte comme Domri contre Esper, c'est vraiment cool. Non, je préfère stabiliser avec Krasis. En fait, pour l'instant, j'aurai forcément des Krasis plus grosses que lui. Et si je peux commencer à le défoncer avant qu'il arrive à poser des menaces, ça me va. Domri, en fait, il est bien quand tu commences à être à court de ressources. Peut-être que là, je vais le poser là pour pouvoir donner célérité à ma prochaine Krasis. Ouais, Phoenix c'est bien. Franchement, Phoenix, ouais, pareil. Phoenix, c'est une carte qui est très mal gérée et que Sultai gère pas très bien, en fait, pour le coup. Donc ça vous donne même un certain avantage dans le mirror. Du coup, on va donner célérité au Phoenix, je pense. Garder un bloc pour garder nos Planeswalker et puis ça va le faire. Si jamais il décide d'envoyer Carnage du Tyran dans mes Planeswalker, normalement je devrais gagner le tour d'après. Donc c'est bien. Il faudrait qu'il ait un autre Find Finality là pour faire quelque chose. Et ça le remet pas non plus de ouf quoi. Même avec Find Finality, en fait, il est mort sur double Phoenix, donc normalement, ça va. Ok. Ouais, genre, pour Sultai, Phoenix, c'est un enfer. Alors... il y a Esper Mastermind, qui est une version proche de celle de J-Rock, qui... Non, alors ça, voilà, c'est la version Dovin Acuity.
Donc, où vous avez cette carte-là pour gagner des PV, faire du CA, piocher beaucoup, vous n'avez pas le Teferi, vous allez chercher vos kills avec acquisition de l'esprit supérieur, et pour battre les Teferi adverses, vous jouez Soleil Immortel. Vous gagnez beaucoup de PV avec des cantrips un peu nazes, mais qui font gagner beaucoup de PEV, et du coup, vous avez un anti-bet pour 1 qui peut à peu près tout gérer grâce à tous vos cantrips et à vos moyens de gagner du point de vie. Donc, cette version-là est très bien s'il y a beaucoup de mono-raid, beaucoup d'aggro en soi. Et puis après, il y a la version qui va être un petit peu mieux si vous rencontrez un petit peu plus de. Un petit peu plus de miroir de contrôle et quand même quelques aggros, qui est la version, je crois, à une carte près que J-Rock va jouer à l'Invitational. Donc là, avec les 4 Teferi, avec quand même Mastermind et un side adapté, mais qui a quand même des réponses dans le miroir, telles que la recherche d'Askenta ou pour les match-ups un peu longs, un peu grindy. Vous avez aussi les deux negates, vous avez beaucoup moins de cartes mortes de type interaction rapide contre les miroirs de contrôle. Donc voilà. Ça c'est des decks solides, hein. C'est des decks solides, c'est juste que en termes de temps investi de jeu, je trouve c'est un peu moins long, enfin un peu plus long que de monter avec avec Temur Monster. Ça franchement j'adore cette liste. En plus c'est homemade, je suis très très heureux de pouvoir jouer ça. Ça me met joie, ça me met en joie, je suis joieuse de jouer ça. Y a pas de deck pirate potable. Franchement, on a présenté un Dimir pirate qui était pas dégueu sur la chaîne il y a pas longtemps, mais c'est quand même pas fou 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 quoi. C'est pas dégueu. Regardez cette main. Alors les gens disent, enfin se demandent pourquoi Régisseur Alpha plutôt que Skarganel Kite ou je sais pas moi Limon Bion Satitic ou quoi. C'est parce qu'il y a quand même deux Galta dans le deck et Régisseur Alpha avec Galta, ça fait quand même, ça a deux effets sympas. C'est-à-dire que ça réduit directement de 7 le coût de Galta et en plus ça lui donne la célérité. Et c'est vraiment, vraiment dans le côté agressif de la chose, vraiment très impactant. Ça m'a fait gagner des games tout seul. C'est pour ça qu'on lui préfère Skarganel Kite. Qu'on le préfère à Skarganel Kite. Skarganel Kite va peut-être être mieux dans les versions à base rouge avec des Chain Whirler et tout qui peuvent pas jouer le pack vert et pas jouer Galta du coup. Kawakawa notera que je joue une version Gruul pack verte Splash Ekrasis, mais que je joue quand même pas ce maudit. Comment il s'appelle? Ce 1-1 Warrior Elf là qui pelt Collector, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ouais, je ne joue pas ce bousin. Ah, pardon pour le Wenny White, je vous le montrerai après. Oh, 468ème il est, hein. Énervé. Ouais, Pelt Collector, c'est ça. Le collecteur de peau. Pas pet, c'est pelt. On est en miroir de Gruul, on a l'avantage d'avoir des Krasis, donc c'est bien. Généralement, c'est le genre de match-up que j'aime bien jouer. C'est les match-up qu'on gagne pas trop difficilement, normalement. En fait, on fait la même chose que lui avec un meilleur haut de curve. Donc, à terme, ça marche. Ça marche pour nous. Ok, moi je veux juste mon mana pour Phoenix en fait. Si c'est possible. Yes. Ah, lui il joue la version rouge. Ah, je suis déçu là. Dommage. Je préfère qu'il joue la version verte, comme ça on a vraiment la même version et la mienne est juste un peu mieux quoi. Mais bon, ça c'est pas goupillé comme ça. Ok, ah, il est en train de me saucer, il a un plan de jeu agressif, énervé. Et en vrai, son plan de jeu est pas mal. Je crois que je vais prendre là. Peut-être qu'il a pas de land. Oh, super, il n'y a pas de land. On va juste Phoenix, on pourra block sur Brisesor. Puis ensuite Régisor devrait quand même stabiliser into Galta et normalement Galta dans son deck il le gère pas. Il n'y a aucun anti-bet en fait. C'est des blasts, des lava coils ou des strikes et il faudrait qu'il en ait une chie en main pour pouvoir le gérer. Ça c'est très relou par contre. Ça nous empêche de stabiliser. Malheureusement.
Alors moi j'ai toujours été très bordélique, super plot, donc en termes de technique de tri, moi mes cartes Magic c'est en bordel quelque part, dans des cartons, j'ai jamais réussi à trier mes cartes. J'essaye de trier mes cartes DBS parce que je suis plus grand et que je m'y suis mis il y a pas longtemps, et même ça je suis vraiment naze quoi. Vraiment très très naze. Donc il doit y avoir des techniques de tri, mais je suis vraiment pas la bonne personne pour t'en parler. J'ai bloqué le Spellbreaker Trample. Ah ouais, je suis un Z. Du coup, j'ai pris 2 de plus. J'aurais dû bloquer Tournoyeur. Noam qui est choqué. Mais quel con. Ah, j'avoue, j'ai fait une bêtise. Si on perd à 2 PV près, je m'en mordrai les doigts. Ah. Bah, comme ça. Regarde Marie Kondo. Exactement. Bon, lui, il nous a sa telle. Hein. De toute façon, j'étais pas à 2 PV près là. Voilà, avec ce deck on peut spammer, hein. C'est le but là. Là il faut spammer là. Le Z c'est une sorte de vieille. Non, enfin, oui peut-être, mais à la base quand tu dis de quelqu'un que c'est un Z, il n'y a pas de rapport sexuel dans l'insulte quoi. Un Z c'est plus proche d'un zozo, tu vois. Un âne un peu. Un imbécile. Ce que j'ai été en bloquant ce Spellbreaker. Hop là, eh ben écoute, NX1701, après avoir regardé le tuto et la vidéo pour débutants, je t'invite à DL le jeu et à lancer tes premières parties pour te faire déjà ton propre avis. Et puis ensuite, tu regardes un deck budget, on présente aussi des decks budget ou alors un deck qui coûte pas trop cher. Et puis tu essayes petit à petit de récupérer les cartes pour te le monter et commencer à avancer sur ce ladder. Si tu regardes Evin, c'est que tu devais jouer à Hearthstone. En vrai, la mise au jeu est à peu près la même qu'à Hearthstone. Dans l'idée de je choisis un deck pas trop cher, je commence à monter le ladder pour récupérer, farmer des cartes et ensuite jouer le deck que je veux. On va la garder. Un Z, c'est un gentivier, pourquoi pas? Ok, je vais lui donner à manger elfe, je pense. Ouais, on va lui donner à manger Elf, ça évitera d'avoir Strike plus Brandon sur un potentiel Brise Sort. Ah, c'est bizarre d'avoir utilisé son choc, il a perdu un dégât potentiel. Je suis pas très sûr de ce play, mais bon, admettons. Ouais, il a quand même perdu un dégât. Ouais, mais ils ont raison sur HS de te dire de faire des drafts. Effectivement, c'est mieux que d'ouvrir des boosters parce qu'en fait, tu vas quand même récupérer des boosters. Donc, ouais, je t'invite aussi à faire des drafts, évidemment. Évidemment, c'est vrai que je n'ai pas pensé là comme ça, mais de toute façon, je crois que tout est expliqué dans notre vidéo tuto. Mais si ce n'est pas le cas, effectivement, payer 5000 gold pour avoir 3 boosters plus un forcément offert, même si tu as 0 défaite avec des 15 cartes et en choisissant toi-même de piquer la carte que tu veux, donc potentiellement plus de 3 rares, c'est plus intéressant que de dépenser dans 5 boosters. Donc, quand je te disais farmer, c'était pas forcément farmer pour avoir du booster, c'était farmer pour pouvoir faire des événements construits qui sont où. Je ne sais plus comment il s'appelle, l'événement construit en BO1 tout simplement, ou alors du draft. C'est le Quick Constructed, mea culpa. Dans un deck Gruul aggro budget, une carte qui remplacerait Phénix Ravivé. Ah, c'est dur. Elle est bien cette carte. Hein. Elle est très très bien. Il veut vraiment garder son Brandon. Putain, je bite pas quoi. J'aimerais bien trouver un Merfolk Branchwalker. Pas ça.
Ça va absorber 2 dégâts et ça peut peut-être me permettre de trouver une carte Explore. Genre un Jedlight pour le tour d'après. Pour faire Marcheur into Jedlight, ça pourrait nous remettre bien dans cette game. Ok. Ça a épongé effectivement. 2 dégâts, on a notre Jedlight. Si on survit, on peut faire des choses. Donc on va passer à 7, ensuite à 5 avec ce bassin d'élevage si on top deck pas un land. Et on repasserait à 11 avec deux bloquants. Ce serait bien. Ouais, on va être obligé. Faudrait pas qu'il tue marche pousse sauvage, mais là on n'a pas trop le choix. Si le tue en réponse, il est trop fort. Ah, il a une réponse. Ok, donc il peut sûrement le gérer malheureusement. Dans ce cas-là, on va sûrement perdre cette game. Et il a eu un peu tout ce qu'il fallait, hein. Ouais. C'est un petit peu horrible ce qui se passe. Qu'est-ce que ça nous donne ça? Ça nous donne un peu de survivabilité. Ouais, admettons. En vrai, faut pas qu'on pioche Krasis maintenant. Et non, on n'a même pas les landes. Ça sert à rien de piocher Krasis. Ok, on peut répondre par Vivienne, et ça c'est bien. Là, s'il trouve rien qu'il est Keblo, ce serait super. Je vais répondre direct par Vivienne. Sinon, je pense que je suis mort direct. Il détape avec Frenzy et je décède. Il y a un abonnement et pas le son. Et bah alors, merci à l'abonné, désolé de ne pas avoir vu. L'abonnement, désolé, merci à la personne qui vient de se sub. Ah d'accord. C'est beaucoup trop fort ça. Mec, il top deck sa deuxième frenzy quoi. Bon. Il faut qu'il fasse rien le tour d'après. Ça me paraît quand même très peu probable. Faudrait qu'il enchaîne deux lands. Comme dirait Davido David, deux lands. S'il a pas de chance à Magic et qu'il enchaîne deux lands, eh ben je gagne. Dédicace, hein, je me moque pas, je l'adore. Ah, pour l'instant c'est pas deux lands. Ah voilà, on a perdu. Ah non. On est à 1. Ah non, on a perdu. Oh, on va pas redescendre, on était 98. Le but c'est de passer dans le top 1000. Merde alors. Allez. On se met bien. Ok, main décente. En fait, dès que j'ai des bêtes explore, je trouve que ma main elle est bonne parce qu'elle peut facilement s'améliorer en fait. Si j'ai mes terrains et des bêtes explore, c'est rarement des mains que je jette quoi. Surtout que je sais pas quel match-up je vais affronter, donc je me permets pas de refuser certaines mains quoi. Je préfère dire qu'on est Grull que Sultai pour le coup. Vous avez le stream car pour moi j'ai rien. Ah, j'espère que t'es le seul à avoir rien, la mouerte, parce que. Ah voilà, le match-up qu'on peut pas gagner. Alors on va essayer de le gagner, tiens, ça va être rigolo. Je vais vous montrer à quel point il est ingagnable. À quel point, si vous n'avez pas d'interaction contre ce deck-là, vous ne pouvez rien faire. Il fait tout en plus gros. Un draft en boutique, ça coûte entre 10 et 15 euros. Je crois que c'est 15 euros les FNM de draft. On va garder ça. Je crois, hein, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et nous, on avait les drafts en redistribution de rares, mais sans lot, on les payait 10 euros quand on les faisait à l'époque avec PL. Ça dépend de ta boutique, ça dépend si c'est avec des lots ou si c'est en redistribution de lots. Bon, en vrai, on a quand même tout ce qu'il faut pour tenir là. Donc, ça serait ouf qu'on n'arrive pas à tenir. Je pense que celle-là, on va peut-être réussir à la tenir.
Mais parce qu'il est permissif, qu'il a pas fait de 2 tours 1, dont Legends Landing. Voilà. Et encore, c'est pas gagné. Hein. Oh, vas-y, on va tout garder. On va tout garder. On s'en bat les couilles. On va gagner 1 milliard de PEV. On va devenir un sac à PV. Ça va être très très bien. Alors, en fait, avec des lots, c'est si tu payes ton draft, vous vous affrontez et par exemple, le gagnant, le deuxième et le troisième vont avoir des boosters supplémentaires ou alors des boosters, des boîtes de rangement, qu'importe, des lots en fait, ça va être prisé. Par contre, s'il n'y a pas de lot supplémentaire, c'est que c'est en redistribution de rares, c'est-à-dire que tout le monde à la fin rend les rares qu'il a piqué, tu ne gardes pas ce que tu piques, et en fait, le premier choisit une rare, le deuxième choisit une autre rare, le troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Voilà comment ça marche, c'est plutôt bien. Quand tu as un bon niveau, tu te gaffes bien. Nous, à l'époque de Origins et Zendikar avec PL, on faisait tous les mercredis le draft en redistribution de rares et on s'est fait des sacrées belles collections. Comme ça quoi, parce qu'on était toujours ou premier ou deuxième ou troisième, donc on avait souvent souvent du bon choix quoi. Pour des Krasis, pour enterrer sa véhémence définitivement. Bon, effectivement, on va peut-être réussir à battre ce match-up, mais je vous assure que d'habitude ça se passe pas comme ça. Et on a eu l'avantage de commencer. Et encore que c'est pas fini là, il fait des trucs assez dégueux aussi là quand même. Parce que là, les 2 tours suivants, il peut me mettre une cloque de ouf quoi. Bon, là, il devrait concéder normalement. J'aurais pas dû poser mon land, je jouais trop vite. Quand même bien dommage quoi. Content de gagner masse PV mais s'attendait à mieux quand même. Ouais, ok. Il a su, il a compris. Il devait me donner tout son board, du coup il avait passé trigger de Benalia, il a compris. Non, j'ai pas test Elfban, Captain Zub. Pas du tout. Je ne sais de quoi tu parles. Salut Gorgorboul, je crois que t'as eu un problème de cap slot, je crois. Ok, on est tous les deux 98%, donc match intéressant. Qu'est-ce que je vous ai dit? Un petit elf de l'explore. C'est une main que je garde. Le sélecteur de main en BO1 il est vraiment sympathique hein. Ok, on est contre Esper Control, on va préférer commencer. Yes. Ça joue pas syncopette en BO1. Ok, je crois que je vais perdre un. Enfin, je joue en main phase 1 pour au cas où il ait une syncopate. Pour pas faire syncopate ce marcheur. On va cimetière, ça je pense que c'est trop tard si on n'arrive pas à le jouer directement. Maintenant on va enchaîner dans Phoenix et Krasis et blabla, et vous avez compris. Et du coup on va mettre le 1 point de dégâts. J'ai pas attaqué d'abord justement parce que s'il avait syncopate j'aurais été très déçu. Ok, donc là c'est une version d'Ovan Acuity. Ce qui est un peu relou, mais pas plus que la version normale contre nous. Ah, c'est une version de Jeskai, d'accord, ok, soit. Dans ce cas-là, il aura plus de mal à gérer Phoenix Ravivé, c'est une bonne nouvelle pour nous. Là, il y a de grandes chances qu'on rentre dans Ionize ou dans Absorb. J'ai pas trop envie de rentrer dans Ionize et Absorb, en vrai. Et en même temps, si ça passe, j'en ai un deuxième de Phoenix. Ok, je vais rentrer dans Ionize ou Absorb, je crois. Bon, du coup, on n'aurait pas dû lander comme ça. On lui dit qu'on va faire ça, malheureusement. Allez. Vous avez des pertes d'image? Genre, il y a un problème sur le stream ou pas? Parce que moi, j'ai aucune perte d'image, donc dites-moi. Hein. Si quelqu'un peut me...
me rassurer, me dire un petit peu ce qui se passe. Ouais, franchement, aménagement, c'est quand même bien fatigué, quoi. Dites-moi, vous avez des pertes d'image ou pas? Genre rien du tout. Ok, putain, ça joue sinistre plus absorbe, quoi. Ok. Bah super. Tout est sous contrôle. Bon, bah super alors. Ça, c'est bien. Faudra essayer de l'épuiser un petit peu. Pour l'instant, il a encore de quoi faire. Il va repiocher encore. Il n'a pas l'air d'être épuisé, hein. C'est quel genre de magie? C'est une magie agressive avec quand même un haut de curve qui te permet d'avoir un petit peu de ressources et de te battre contre les jeux contrôle en late game. Donc c'est une magie agressive mais qui a de la ressource en fin de partie. C'est pas du all-in. Si c'est ça que tu demandes. Mais quelle est cette magie? Ok, donc là on peut plus prendre absorbe. Par contre, on prend toujours sinistre. Je me demande s'il faut pas tenter Domri into. Plus un phénix. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable si ça passe. On peut pas avoir tous les contres. Il en a joué assez quand même. Ah non, je peux pas faire. Si, je peux faire plus un phénix, bien sûr. Bien sûr que si. Le body a pas d'importance, hein. La célérité sera quand même vachement mieux ici. Tant pis. Tant pis, tant pis. On peut le one shot avec Galta s'il se commit, je ne sais pas sur quoi, mais. Si ça passe, t'as gagné, ouais, c'est pas passé quoi. Mais là, ça, jamais ça passe, en vrai. Si je fais Galta Célérité, ça passe pas. Ah mais je peux pas la faire de toute façon. Ok, bon, on va aller chercher de la ressource alors. Ah, c'est assez dommage de trouver qu'une bête, malheureusement. Donc il doit jouer Nova Éclairon. Ouais, j'ai quand même envie de. Je vais faire juste marcheur, mais pas ranger jas de feu. Je pense que je pourrais lui donner la sérité le tour d'après. Donc du coup, j'ai pas forcément d'intérêt à ranger tout de suite, si ce n'est l'exposer à une vrasse. Et quand bien même, il mettra les mêmes points si j'attends un tour supplémentaire. Donc ça me paraît mieux comme ça. Et là, s'il veut vrasser, bah c'est pas trop trop grave. J'ai encore de quoi faire un petit peu de magie. Ah merde, ok, il a pu tuer mon. C'est bien dommage. Ok. C'est relou. Ouais, franchement, aménagement, je te dis, c'est un peu fatigué quand même. Je vais vous remettre le son. Oh merde. Ça c'est pas très cool. Ça c'est bien ça. Bon carte ça. Deux Galta c'est un peu. Dommage. Il y en a que deux en plus dans le paquet.
Drone Simone. Ok. C'est la version avec la version Hawk Miller qui tue à combat par le feu? C'est possible. C'est grave possible. Faut qu'il arrive à 11 mana, je crois, pour faire sa supercherie. 9. Ouais, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, dans 2 tours, théoriquement, on est potentiellement mort. C'est bien. Ouais, le mec est costaud, ouais, effectivement. Je sais pas si j'ai le temps d'aller gérer Teferi en vrai. Je crois pas. Parce que dans 2 tours, je meurs de sa combo. Ou alors dans 2 tours, il a Teferi ulti. Du coup, dans tous les cas, je suis sous le coup de la combo, donc. On va dire qu'on n'a pas le time. Exactement, Gravounet. Aménagement des décombres, c'est la Vrasse en instant de blanche qui va permettre d'exiler toutes les créatures attaquantes en échange de la prise de land dans ton deck. Ouais, il va retourner à Skanta. Je pense qu'on peut plus trop gagner maintenant. Faudrait re-top deck des Krasis. Krasis sur Krasis, ça peut faire gagner, mais. Il faut qu'on passe au-dessus des 20 PEV en fait. Pour qu'il ait besoin de 13 mana pour sa combo et non 11. Ok, est-ce qu'il va Vras pour ça? Je pense pas. Ok, il doit avoir un troisième combat par le feu. Ou alors il pense gagner sans la combo, ce qui est fort probable aussi. C'est quoi la combo? Alors la combo, je crois que tu peux voir toutes les cartes ici. C'est combat par le feu kické qui met 10 et doublé par expansion. Parce qu'en fait, théoriquement, expansion copie un spell qui coûte 4 ou moins. Et quand tu kicks le spell, son coût de mana reste toujours 3 en fait. C'est un petit trick des règles de Magic. Donc en fait, tu fais. Pour 9 extensions, enfin pour 9 combats par le feu, en réponse tu fais expansion dessus, tu mets 20 à l'adversaire. Voilà le. La supercherie quoi. Salut aux nouveaux arrivants. Ouais, ça arrive assez souvent que Galta soit bien, parce que là en fait tu prends en compte que j'ai pas de board et que je peux jamais la caster, mais dans tout ce qui est mirror de. En fait il y a beaucoup de mono vert, il y a beaucoup de mono rouge, il y a beaucoup de mirror de Gruul où en fait genre en mirror de Gruul, théoriquement presque c'est le premier qu'a Galta qui gagne. Gruul base verte. Ou pareil en mirror de mono vert, parce que nous on est une espèce de mono vert splash Gruul ou de Gruul splash Krazi si tu veux. Et vraiment le premier qu'a Galta va gagner et je me souviens qu'au début je jouais pas Galta pour grinder le ladder et je les ai rajoutés justement pour pouvoir gagner ces match-up là en fait. Là où même Krasis ne suffisait pas en fait des fois pour avoir un gros gros body bien strong quoi. Donc ouais j'aime beaucoup Galta, faut pas être orienté par le résultat, faut pas être là en mode bon bah là t'as tes deux Galta en main elles sont nazes. Dans ce match-up là qui n'existe pas sur le ladder, je préfère quand même le rappeler. Même si Kawa va me taper sur les doigts de dire ça. Mais ouais, Jeskai Control, c'est pas non plus très très joué. Et bon, effectivement, là, Galta, elle brille pas du tout, quoi. On va être très honnête. Ouais, c'est ça, Clerc. Les cartes à droite chez l'ennemi sont des Planeswalkers. C'est un petit peu comme un joueur supplémentaire, c'est une petite aide en fait, et tu peux utiliser un de leurs effets, que ça soit donc le plus 1 ou alors le moins 3, une fois par tour. Et à chaque fois que tu fais plus 1, bah, son petit compteur là augmente, ou alors si tu fais moins 3, bah, son petit compteur là augmente, enfin descend, diminue par contre, pardon. Et une fois qu'ils ont acquis assez de points en bas par exemple, ils peuvent faire leur ultime,
leur ultimate qui est le par exemple le moins 8 pour Teferi ou alors le moins 8 aussi pour Ral. Donc voilà, c'est une petite aide supplémentaire qui ont des effets. Généralement le plus 1 te permet ou de faire un peu de carte advantage ou alors un petit peu de gestion ou alors au moins de s'auto-protéger. De gestion plutôt passive ou de gestion dans le temps, pas de gestion définitive pour les plus. Et les moins, généralement, eux font de la gestion ou alors un card advantage plus conséquent. Et enfin, l'ultimate, généralement, te donne la victoire. Et nous, on va concéder cette partie. Parce qu'il peut faire... Là, il a beaucoup trop de choses. Il a une main trop complète. Il est trop fourni. Il peut tout faire. Il peut me faire la totale, comme on dit. J'ai joué contre Raphaël Lévy il y a peut-être une heure et demie de ça, juste avant le stream. Il jouait Electrophénix, j'ai perdu d'ailleurs. Il jouait son fameux Electrophénix, il était je crois 99%, enfin il a dû bien baisser parce que je l'avais vu un peu en haut du ladder. Mais bon voilà, c'était sympa. Ok, pareil, Elf, Into, Explore, je garde. Ouais, la forme, la muerte, la forme de ouf. Et toi, comment ça va? Je préfère cacher mon bleu, parce qu'en fait, il va très vite voir le plan de jeu Gruul, alors que le côté bleu Krasis, il le verra sûrement plus tard. Donc bon, bref, ça garde un peu mieux la surprise dans ce sens-là, quoi. Alors que si là, je mets bleu et qu'après, toutes mes cartes sont Gruul, bon, il sait qu'il y a Krasis en fin de curve, quoi. Donc si je peux éviter, bon, là, visiblement, en tour 3, il va savoir qu'il y a du bleu, mais... Au début, si je peux éviter, j'évite. Je pense que l'upside de mettre un bloquant est quand même supérieur au fait de ne rien jouer. Enfin, perdre 2 PV pour mettre un bloquant me paraît valable quand bien même on est contre mono red. Et ça, c'est une bonne carte que j'ai envie de garder. Parce que je trouverai facilement un terrain pour le curver avec mon ranger le tour d'après. Ok. Tu peux nous baisser trouver des trackers qui te filent les win rates, je crois. C'est qui Raphaël Lévy? C'est un régulier du circuit pro, enfin un ancien du circuit professionnel Magic qui s'est remis à streamer récemment. C'est un mec qui a fait 100, enfin je crois il a fait son 100e pro tour là au Mythic Championship Cleveland. Il fait partie du Hall of Fame qui est le panthéon des joueurs de Magic. Donc c'est un très très gros joueur de Magic français qui, même s'il n'est pas dans la MPL ou qu'il n'a pas des perfs régulières actuellement, il a un petit peu écrit l'histoire de Magic, quoi. C'est vraiment un monstre, Raphaël Lévy. Vraiment. Beaucoup de respect pour cette personne. Pour tous les joueurs pro en général. Donc, moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour le joueur pro tout court. Je crois qu'on va te mettre au Phoenix parce qu'on va curver. Si on peut curver, ça va être Phoenix, Tourka. Enfin, Phoenix, le tour d'après, Into Regisor, Into Krasis. Peut-être qu'on veut pas de ce Phoenix. Ouais, il a l'air pressé, mon adversaire. Ce n'est pas grave. Ok, sans vapeur. On va avoir du mal à être dans le top 1000. Dans tous les cas, je sais que le top 1000 ne sert à rien parce que les gens vont me dire « Ouais, mais tu vas caster l'invitational tout le week-end, du coup, tu ne seras jamais top 1000. » Effectivement. Mais c'est juste pour me placer, pour me mesurer, parce que je compte, enfin, je compte bien. J'essaierai d'être top 1000 en avril, du coup, vu qu'il n'y aura pas d'invitational. Donc, c'est mon petit plaisir quand même de tryhard ce ladder, même si je sais que malheureusement je pourrais pas tenir ma place, même si j'arrive 800, 700e ou 600e du ladder. Les gens, les deux derniers jours, vont avoir le temps de jouer et me repasseront devant, c'est une certitude. Ouais, top 1000 en draft, c'est plus facile à Srarn, mais moi je suis plutôt un joueur de construit qu'un joueur de draft, et il est trop tard maintenant pour moi. Je n'avais pas flairé le bon plan à l'avance, quoi. Mais ceux qui ont fait le bon plan, bien joué à eux. Mais j'aime bien, moi, en fait, je suis passé mythique toutes les saisons en construit, et je m'impose comme un devoir d'être mythique toutes les saisons en construit. Je sais pas pourquoi, c'est un petit peu mon délire, quoi. J'ai aucune obligation, hein, mais voilà, quoi. J'aime bien. Ouais, je vais Régisor. Ça bloque bien le board, ça vaut aussi les 2 PV investis, et je peux commencer à... Je peux commencer à mettre des points avec Phoenix, je pense. De
Top 200, je suis même pas sûr que ça t'assure la qualif. Et honnêtement, je pas la patience et le temps de monter top 200. Il reste très peu de jours. Jeudi, on va caster. Moi, je travaille demain. Enfin, c'est genre, dans tous les cas, même si top 200 m'assurait la victoire, je n'aurais pas le temps d'être top 200. Savoir que j'ai pas le temps d'assez jouer en fait. En parlant de l'invitationnal, PL et toi castez jeudi avec Kawa, mais après à 19h on caste sur notre chaîne du coup Karasha. Et après à partir de vendredi on se dirige chez Solari pour le caster avec eux. Ah, faudrait pas qu'il me tue maintenant. C'est vrai qu'on va avoir du super bloc, mais. Non, ne me tue pas. Oh, mon dieu, il y a tout. C'est fou comme Frenzy fait instant win quand même. Et il a encore trop de mana quoi. Faut que tu trouves double, faut qu'il trouve double land pour que ça s'arrête. La mécanique infernale. Faudrait que je fasse Krasis, survivre un tour qui fasse double land et que je retop deck Krasis derrière. Mais techniquement, c'est possible encore, je pense. Faut que je passe à 2. Faut qu'il y ait double land dessus. À quel point c'est complètement inimaginable là ce que je demande. Il faut aussi qu'il n'ait pas de choc ou 2 points de dégâts dans sa main ici quoi. Parce qu'il peut payer 2 fois le coup. Ouais. Écoute, on va le faire. Hein. Quitte à perdre, ce n'est pas très grave. Ouais, c'est dur hein, sans Vapeur Frenzy. Mais bon, c'est le jeu. Ah, si on passe le tour, on est peut-être vivant. 6. Ok. Aucune attaque. Bon, on passera pas le tour, mais sur une conjoncture de nullité, admettons là, il n'a rien dans la main et là, il fait double land, on est vivant. Donc je ne concède pas. Je te montrerai la liste après, ouais, Elville. Ah, il y a quelque chose dans la main, je crois. Bon, bah, bien joué à lui. Ou alors il a juste cassé par précaution, c'est probable aussi. Hein. Ah non, il va aller la chercher. Hein. Il va aller la chercher. Ok, bon on n'est pas encore mort. Jusqu'à ce qu'il trouve 4 points de dégâts, on n'est pas mort. Grave, il y a toujours des malentendus. Hein. Moi je crois aux malentendus. Ok, il manque toujours un point. Le mec qui lâche rien quoi. Ah non, il manque pas un point. Il a 7. Non, non, il manque pas un point. Il a 7 attaquants, j'ai 6 bloqueurs. Il manque pas du tout de points. Non, tu ne me tueras pas. Désolé, Ismaïla. Je vais faire mon bise tout seul, comme un grand. Écoute, la moitié, si tu hésites, le mieux c'est de passer sur les deux, tout simplement. Ça me paraît super cool de pouvoir mixer. Si tu aimes bien deux streamers, bah, va voir les deux, va soutenir les deux. Mais non, c'est pas moche mono rouge. En vrai, c'est super simple à battre. C'est juste que là, bah, je joue un petit peu de malchance, quoi. Ok, on va relancer cette main parce qu'on fait rien avant les 3 premiers tours. Et je vais garder celle-là parce que je suis beaucoup moins exigeant quand j'ai 6 cartes en main. Pardon. Les gens s'attendent à Temur Réclamation quand tu ouvres avec Temur, c'est rigolo. Ok, les 1155 lui. Si ça reste vivant et que je trouve Jedlight, je suis bien. À chaque fois, c'est si mon adversaire ne fait rien et que j'ai beaucoup de chance, je peux vivre. Jamais. Mono Rouge Teferi, c'est merveilleux. Ouais, c'est merveilleux, mais ça ne marche pas sur un ladder mythique, malheureusement. Est-ce que quelqu'un sait à quelle date il faut être top 1000? Je pense que les serveurs vont s'arrêter donc le 31 à minuit, ce qui fera à peu près le 31 à 7h du matin chez nous. Enfin, le 1er avril à 7h du matin chez nous, Gemao, j'imagine. Enfin, moi en tout cas, je prendrai pas le risque de ne pas continuer à jouer toute la nuit, si jamais j'avais un doute. Ok. Il a été fort peu véhément pendant ce tour 2, donc c'est bien.
Hop là. Ouais, c'est ça. Si mon adversaire ne joue pas ou qu'il déco, je vais gagner, hein. Ça, c'est important, faut le prendre en compte. Je vais essayer de préserver mes PV. Du coup, je descends pas Phoenix parce que les deux landes me piquent en fait. C'est vrai que je trouve tous mes landes qui piquent contre mono red. C'est, on joue un petit peu de malchance, mais ça c'est habituel sur ce stream. On va contourner ça. Les gens vont croire que c'est mon petit frère qui joue en fait. Il monte top 1000 pour moi et après je stream. C'est vrai qu'avec mon taux de win rate en stream, c'est impossible de monter mythique, hein, vraiment. Il y a quelqu'un de caché qui joue pour moi. Je suis bien près de cette caméra là. Vous me dites pas, vous me voyez en gros plan comme ça. Oh là là. Ok, choc. C'est pas grave, je n'ai pas d'explore. Je n'en ai cure. Il joue une version avec électrostatique field. Donc peut-être une version avec des Phoenix. Ah oui, je vais prendre le trade. Je vais accepter que tu me choques ce briseur. Ouais. Ah, le bait, quoi. Ce mauvais bait. Ce bait loupé, du coup. Et tour d'après, on va pouvoir faire une belle Krasis, ce qui nous met pas trop mal dans cette game, pour le coup. On peut voir Karl et ses copains. Je crois qu'on ne peut plus trop les voir. Il me semble qu'ils ont à peu près disparu. Et tant mieux pour moi. Est-ce que je lui mets full press ou je reste cool? Oh, je lui mets full press, hein. Ouais, je lui mets full press. On s'en bat le steak. Ah, voilà, l'agresseur agressé, ça te fait quoi? Ça te fait tout drôle, hein? TK10 où? Ben voilà, TK10 où? TK10 là. TK10 ici. Comme ça qu'on fait, monsieur. Voilà, et là, on lui propose l'étale. Qu'est-ce que tu vas faire? Yes! Alors en vrai, je pense que j'ai un match-up complètement dégueulasse contre Merfolk Untales. Je pense que je peux même pas gagner contre Merfolk avec ce deck-là. Mais l'avantage, c'est que Merfolk est un deck qui n'existe pas. Donc ça ne me pose pas de problème de perdre contre Merfolk. Du coup, je monte la liste pour les demandeurs curieux. J'allais dire pour les quémandeurs. Pour les quémandeurs durieux, du coup. Les demandeurs curieux ou les quémandeurs durieux. Sympa l'eau quand même. Du coup, tout le monde a vu la petite liste, c'est bon? Allez hop, on l'arrange. C'est reparti. Aujourd'hui, c'est de la montée de ladder. Enfin, de la montée, c'est de la stagnation de ladder. J'aurais dû mettre ça. Pas road to top 1000, mais plus ou moins top 1000. Vous voyez ce signe en mode pas égal, mais à peu près égal. À peu près égal à top 1000, j'aurais dû mettre. On oscille, on rentre et on sort du top 1000, quoi. On fait l'amour avec le top 1000. C'est un petit peu ça, en fait. On rentre dedans, puis on sort. On aimerait bien rentrer tout court, là. On peut remplacer le régisseur par quoi? Par Scargan Elkite, par Biosynthetic Ooze, par beaucoup de bons drops 5 pour le coup. Je vais la garder, on a ce qu'il faut pour explorer. Salut Magicien Fou. Je pense que Scargan Elkite est quand même une bonne carte pour remplacer Régisor, ou alors tu peux le remplacer par de l'interaction, par des Lava Coil ou des Lightning Strike. Humain et conseil, exactement Elton House. Il est consentant le rang mythique au moins. Écoute, il veut pas que je rentre dedans, mais une fois que je serai rentré, peut-être qu'il sera consentant, ouais. Val fait l'amour au rang mythique. Je pense que je vais mettre ça comme titre, Lancelot. Voilà, je vous annonce, il y aura ça en titre de rediff de stream. Val fait l'amour au rang mythique, j'adore. Vous êtes trop fort. C'est vous qui trouvez mes titres putaclic. Excellent.
Ok, espère, espère, mais on commence. Donc ça, c'est bien. Ah mais je peux pas mettre Val viole le rang espère, ça serait déjà un peu prétentieux et présomptueux. Puis ça serait faux quoi. Est-ce que j'ai des animaux? Ouais, alors avec ma chérie on a un petit chat qui s'appelle Nanook qui est magnifique. Et ici là mes parents ont deux Maine Coons que je pourrais peut-être vous montrer en fin de stream si ça vous intéresse. Il y en a un qui est très beau, très gros et l'autre qui est tout petit parce qu'il a qu'un mois et demi. Donc ce sont de belles bêtes. Il m'a enlevé la Vivienne, il a bien raison. Une bonne carte, ça. C'est pas Nanou, c'est Nanook. On va pas rentrer dans Absorb comme on a l'habitude de faire hein, avec Phoenix. On rentre dans beaucoup de trucs ce soir sur ce stream. On va arrêter de rentrer dans des trucs. C'est très malsain. Ouais, ils sont assez gros, ouais. Je verrai si je peux vous les montrer. S'ils sont consentants. Parce que c'est quand même des belles bêtes, et si jamais vraiment Mao, donc le plus gros, ne veut pas, je le forcerai pas quoi. Je veux bien rentrer dans une absorbe ou alors donner. En vrai, est-ce que ce board là se fait Chaos Brassé? Je pense que ce board là se fait déjà Chaos Brassé au vu de ses PV. Du coup, je vais rien rajouter au board. Ce board là appelle déjà une Vrasse, donc autant garder ce que j'ai en main. Ok, proposer de l'interaction. Il a raison. Oui, c'est des très gros chats, Ravier Snake. Tinam, ça vient de l'initiative de Solari. Ça ne vient pas de Wizard et ça ne vient pas de nous. Donc, on est content que ça vienne d'eux. En fait, il y a des gens, je crois, chez Solari qui nous connaissaient parce qu'ils jouent à Magic Arena. Et je pense que ça leur a été proposé quand Wizard leur a proposé de casse l'événement. Ou alors si Solari sont proposés à Wizard, et ils se sont dit qu'ils pouvaient inviter des gens. Et ils nous ont invités, nous. Ça n'a pas été proposé ni par Wizard ni par nous-mêmes. Je pense qu'on n'aurait jamais osé se proposer à Solari. Donc, on est très content qu'ils soient venus nous proposer ça, quoi. C'est vraiment très très cool de leur part. Ouais, ça peut venir de Bess Marmotte parce qu'on a fait une vidéo avec lui, qu'on le connaît un petit peu et qu'il est extrêmement sympathique. Donc je pense que ça doit venir de Bess Marmotte pour être très clair. Mais comme j'ai pas la réponse, je voulais pas avancer de propos et si peu il va regarder ce stream et dire oh, non, je n'ai jamais rien dit. Donc ouais, je ne sais pas, je ne m'avance pas. Ils n'ont pas invité les modos. Ouais, j'avoue, ils n'ont pas invité les modos. Je t'avoue qu'on n'a pas plaidé votre cause, Lancelot, désolé. J'ai deux Vivienne et deux Domri, mais le ratio peut changer. Je suis passé à trois Vivienne et un seul Domri quand je suis monté mythique avec. Là, je suis revenu à deux Domri. Ça oscille, ça varie. Ok, je peux Spellbreaker pour aller tuer Teff. Ça a peut-être du sens de faire ça, d'aller tuer Teff maintenant. Parce que je sais qu'il n'y a pas de contre à deux mana dans le BO1 et je peux pas prendre Syncopate. Donc on va aller tuer Teferi tout de suite. On commence à le connaître ce ladder, hein, quand même. Hein. On peut aller faire un sitting à tour. je préfère pas vous inciter à faire ça et que ça nous retombe dessus. Ouais, toujours tuer Tef. Ah, y a quelques rares cas où t'as pas envie de tuer Tef. Genre quand tu joues mono red, tu tues pas Tef. Mais ouais, sinon c'est quand même bien de tuer Tef. En général. Ah, il avait pas son interaction pour protéger Tef. C'est étonnant. Je suis presque déçu pour lui. Par contre, si on pouvait avoir des landes un jour, on garde ce phénix précieusement, il fera le café plus tard. Allez, un land, s'il vous plaît. Voilà, faut commencer à arriver dans des crasis intéressantes, quoi.
C'est un vrai deck viable ou juste fun? Bah écoute, je suis passé de diamant 3 à mythique avec ce deck-là. Moi, je le trouve très viable. Mais je suis le seul à le jouer, donc est-il vraiment viable? Je ne sais pas. Moi, je le trouve très très viable. J'ai un winrate positif avec. Et il paraît que sur Magic Arena, il suffit d'avoir un winrate positif pour monter le ladder. Donc, oui, je le trouve très viable. Ok, il a absorbe, c'est bon, on va pouvoir jouer Phoenix au tour d'après. Wouhou, c'est cool. Du coup, c'est compliqué de casse Phoenix T4. Non, pas du tout. Enfin, là, c'est compliqué contre lui. Ok, il est trop fort, lui. C'est compliqué contre lui parce que j'ai pas voulu le faire rentrer dans Absorb, mais sinon, il sort même T3, en fait, assez facilement. Tu saurais me recommander un deck, je suis coincé Gold 1 et demi. T'as essayé Wenny White? Je trouve que c'est très facile à prendre en main pour un joueur débutant. Enfin débutant, ou alors un joueur qui est coincé en Gold 1, tu vois, je veux pas présumer de ton niveau de jeu, hein. Mais vu que tu me dis que t'étais coincé en Gold 1 et que tu me demandes une recommandation de deck, j'ai quand même présumé que tu n'étais peut-être pas un joueur très confirmé. Et donc du coup je trouve que la prise en main et pour monter le ladder, Wenny White est assez efficace. Je suis passé mythique le mois dernier avec Winnie White. On va pouvoir jouer au Phoenix ou Fou? Non, pas du tout. Eh ouais, mais en plus, il a des vrais top decks, le monsieur. Il a des vrais top decks. Encore une fois, on va aller tuer Tef, du coup. Oh, on va le tuer lui. Ça a l'air mieux, non? Voilà. Ciao Roman. Voilà pourquoi Galta et Régisor, c'est bien. Allez, 98%. Pour l'instant, on n'a pas bougé. On a fait 98, 97, 98, 97. Ce stream de qualité, pas du tout. Joueur moyen, j'ai découvert Magic avec MTG Arena, du coup je me suis inscrit avec votre chaîne YouTube. Eh ben écoute, ça fait extrêmement plaisir, Acid Lemon. On est très heureux d'avoir pu instruire certaines personnes et puis c'est cool quoi. Si on peut faire la transition justement, on essaie toujours d'être un repère entre le débutant ou l'ancien joueur qui veut se remettre à Magic, l'informer un petit peu de toutes les news sur le jeu, de les deck tech et tout. Et puis après, bon bah pour ce qui est de format beaucoup plus compétitif et pro. Il y a les joueurs de la MPL, il y a des mecs comme J-Rock et tout qui stream, qui ont un niveau de jeu supérieur. Mais nous, on essaye toujours de vous prendre, de faire une espèce de passerelle, de transition vers ce monde-là. Et c'est super cool, tu vois. Donc je suis content qu'on ait quand même des choses à t'apprendre. Ça fait plaisir. Parce qu'il y a plein de gens qui nous regardent, à qui on n'a pas grand-chose à apprendre pour le coup. Donc voilà, c'est sympa qu'on puisse s'y retrouver aussi sur ce plan-là. J'aime pas trop ces mains-là où j'ai que des landes full tap, mais j'ai quand même envie de la garder à cause de d'une conjoncture de cartes qui peuvent me faire aimer une sortie. Mais en fait, genre tour 1, je peux pas elf. Du coup, tour 2, je vais faire elf. En fait, je peux faire tour 3 phoenix avec cette main. Donc, je vais peut-être la garder juste pour ça. C'est peut-être une mauvaise idée. C'est peut-être une erreur, hein. Je suis un petit peu orienté par ma main et par la possibilité de casse, alors qu'on sait bien que bah, selon le match-up, ça ne se déroule pas comme prévu tout le temps. Mais bon. Ok, je vais pouvoir faire Phoenix, tour 3, et vraiment ça me va. Ça valait le coup de la garder. Si jamais il n'a pas d'interaction avec mon elfe, ça valait le coup. Non, elle avait une potentialité de faire Phoenix, et évidemment, il fallait que je top deck un rouge, Ravière Snake, évidemment. Mais ça a été le cas. On est contre Sultai, ou contre Golgari, il y a beaucoup de Golgari en BO1. Peut-être Golgari. D'ailleurs, Golgari bah, gère très mal Phoenix, donc on est très heureux d'avoir ce Phoenix, ce Early Phoenix, comme on pourrait l'appeler. On va commencer à mettre la presse maintenant. Peut-être aller chercher un peu nos land drop. Oui.
J'aime bien avoir des Krasis. Lui aussi joue une version Krasis vu qu'il vient de poser une catacombe. J'ai l'impression que celui qui a le plus de Krasis va finir par gagner. Ouais, je peux la garder. Je peux considérer garder cette carte, ouais, carrément. C'est vrai, Nayalar, Astapoptour, Saluval, first time sur un Twitch quelconque. Eh ben écoute, bienvenue à toi, ça me fait extrêmement plaisir, sache-le. Et que ça soit donc du coup sur le nôtre. C'est vraiment une plaie pour Sultai, un truc comme Phoenix, c'est trop trop bien. Et même Vivienne n'est pas une vraie réponse, quoi. Donc je valide fort. J-Rock est au top. Ouais, franchement, il est. Il a un volume d'informations à distiller tout au long de ses streams. Tout ce qu'il dit est d'or. Enfin, moi, je suis un peu fanboy parce que, pour le coup, J-Rock, je le connais depuis très longtemps parce que je regardais ses articles. Moi, sur Magic Corp, ça date d'il y a des années. Il faisait même des deck tech en vidéo. Enfin, genre, ça remonte à très très longtemps. Il n'était pas du tout encore pro et pas du tout joueur de la MPL. Et je regardais déjà ses articles sur Magic Corp. Et quand j'ai vu qu'il a intégré la MPL, bah, très content pour lui, c'est cool, tu vois. Et du coup, je regarde ses streams avec plaisir. Je trouve qu'il est. Ses analyses sont d'or, tu vois. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je lui ai déjà dit en message privé que je suivais ce qu'il faisait à l'époque. Mais bon, vous connaissez un peu J-Rock, il est pas forcément très, très enthousiaste. On sait pas trop ce qu'il pense. Donc, je pense qu'il a dû juste se dire en mode ah ouais, bah c'est bien. C'est cool, merci à toi. Hop là. Et ouais, c'est un. Si vous voulez voir du niveau de jeu vraiment un peu supérieur et en français, bah il y a son stream quoi. Vraiment très bien. Pourquoi ne pas attaquer avec la 4-4? Parce que je meurs dans Tyran du Carnage si j'attaque avec ma 4-4. Il est très, très lunaire mais très intéressant. Il est très intéressant surtout. Bah, il joue bien au jeu en fait, tout simplement. Si vous allez voir son stream, c'est pour voir quelqu'un qui joue bien au jeu. Il est membre de la MPL et on lui demande que ça, quoi. Ouais, c'est ça, il prend grave de temps pour expliquer ses plays. Genre, il y a 3-4 jours, il a fait un stream que j'ai dû regarder en replay avec Esper Control. Il a joué que des games d'un level incroyable. Il gagne une game contre Mono Bleu que je pense que 90% des gens sur ce chat auraient perdu. Enfin, vraiment, il a un niveau de jeu. Moi, ça m'étonne. Enfin, je sais de quoi sont capables les pros. Je regarde le circuit compète depuis très longtemps. Mais de le voir à ce niveau, c'était vraiment, vraiment impressionnant, quoi. Alors attendez, on va le tuer juste grâce à notre pote Domri, vous allez voir. Parfait ce petit Domri raid, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin d'autres 99%. On a monté sur ce stream. On a EP. On a up, tout simplement. C'est très important d'avoir EP. On n'a pas fait ce stream pour rien. Est-ce qu'on peut rentrer dans le top 1000? Est-ce que ce serait possible? Tu faisais juste double brise sort célérité, tu gagnais. Oui, mais c'était quand même beaucoup plus sympa de le faire avec ce Domri, non? Ça fait quoi si tu donnes double célérité? Il attaque deux fois. Non, pas du tout. Ça fait juste. Je te dis une connerie, il attaque pas deux fois, c'est une bêtise. Il a juste la célérité et t'as perdu une des capas, quoi. Qui de PL ou de toi a lancé le eh ben c'est bien? Eh ben vraiment, très honnêtement, je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est.
C'est fort probable que ce soit moi, parce que, en fait, le eh ben c'est bien, moi je le tiens de Zinedine Zidane. En fait, tous les gens qui refont Zidane, et notamment des humoristes, ou même si jamais vous le regardez parler, moi j'écoutais beaucoup Zidane parce que j'aime bien ses interviews quand il était coach du Real. Et en fait, quand tu regardes aussi ses interviews quand il est ancien joueur, il est beaucoup plus timide et il a souvent des expressions en mode eh ben c'est bien. Voilà. Donc je pense que ça vient de moi et de Zinedine Zidane en somme. Mais après, on s'est un peu approprié tous les deux, quoi. Est-ce qu'on garde cette main? Oui, on la garde. Pourquoi on réfléchit? Un marcheur et Ranger. Grâce à Domri, tu gagnes 2 points de style supplémentaires. Je valide. Effectivement, je gagne des points de style. Oui, il l'est encore. Il a été rappelé récemment. Je sais qu'il l'est encore. Il a été appelé il y a quoi, 1 ou 2 semaines. J'étais là en mode, ah ouais, what the fuck, incroyable. Mais bon. Avec la chaîne Magic Arena et tout, j'ai complètement arrêté de suivre le foot. Avant, je suivais beaucoup la Ligue des Champions, un petit peu la Ligue 1. Je regardais beaucoup RMC Sport. Enfin, j'écoutais beaucoup des chroniques, des podcasts sur le foot. Enfin, j'étais quand même assez fan de football. Et en vrai, cet été, la Coupe du Monde, ça m'a donné ma dose de football. Et après, avec Magic Arena, là, j'ai complètement arrêté de suivre, quoi. J'ai plus le time. Pour vous dire, j'ai même pas regardé la France jouer hier soir. Ça m'a un peu sorti, mais j'aime beaucoup le football. Ok, on prend pas Absorb, donc c'est très bien. On va garder ce Phoenix, hein. En vrai, j'ai un winrate très décent contre Esper Control avec ce deck-là. Ouais, encore une fois, un board que j'appelle Kaya's Brassable. Donc du coup, on va pas lui rajouter de menaces. Voilà, on pourra. Si jamais il a rien et aucune interaction, on le tuera sur Brise-Sorgrul le tour d'après. Tant que notre board est assez dangereux et significatif pour lui, il faut pas en rajouter. Voilà. Il faut pas rentrer dans Absorb, il faut pas lui donner plus de cartes à brasser. C'est plus intéressant comme ça. C'est comme ça qu'on va gagner le match-up. Ce soir, le dieu de Monored était derrière moi. Bien joué à toi. Ah, j'ai dit que j'aimais le football. On a 10 viewers qui sont partis. Hein. Il y a des réfractaires quand même. Hein. Salut Lord Sot. Ah, tu vas être content. Ben voilà, ce board était Kaya's Wrathsable. Il a été Kaya's Wrathé. Et nous, du coup, on peut descendre. On va quand même descendre Phoenix. C'est quand même mieux que Régisor. Mais j'hésite avec Régisor et Phoenix. Hein. Avec Régisor et Vivienne. Mais Phoenix, c'est ok, ça va le tuer. Si jamais il n'a pas la réponse. Regarde mon petit Lord Sot. Est-ce que ça te parle ça? Oula, j'ai un retard, j'ai un délai sur le stream, mon dieu. Voilà. Magnifique carte, le meilleur Planeswalker de Magic, pour ceux qui l'ignoreraient. On va aller tuer le Tef. Je sais pas si vous voyez très bien, je crois qu'avec le reflet vous voyez assez mal, mais en fait ce sont des Tibalt. Tibalt qui est un de mes Planeswalkers préférés, surtout dans le troll parce que c'est un Planeswalker qui est très très nul. Mais à l'époque d'Avacyn, je jouais en ligue à ma boutique locale, La Tanière, et je l'avais ouvert et il était injouable. Enfin bref, j'ai de bons souvenirs avec Tibalt, c'est assez rigolo. J'adore cette carte et Lord Solt nous en a envoyé, donc merci à lui. J'ai mon petit Tibalt. Est-ce que je tente de l'étale? Je suis sûr qu'il a une interaction ou un contre. Je crois que je vais pas tenter de l'étale, ça me paraît bête. Parce que je suis persuadé de ne pas avoir l'étale. Et je vais tenter une Vivienne du coup. Ouais, c'est Tibalt. C'est Tibalt. C'est Tibalt sous une version alternative. C'est pas l'artwork original. Mais il est très stylé ce bougre. Mais merci beaucoup. En plus, t'as la lettre, enfin le petit mot que tu nous as laissé était fort sympathique. Oh là là, si t'as pas Negate, tu vas souffrir. Ouais, tu vas souffrir.
L'ulti de Tibalt, attends, je me souviens même plus ce qu'il fait. Ouais, c'est un peu ingrat, ouais, j'avoue. Ça fait. Comment elle s'appelle cette carte pour 8 qui prend tout. Enfin, qui fait l'ulti de Tibalt en fait, qui prend tout le board adverse, qui le dégage et qui le fait venir sous votre contrôle. Ça a un nom. C'est Insurrection, voilà, ça fait Insurrection. Dommage qu'il soit nul, mais c'est pas grave qu'il soit nul. Il est sympa, et ça c'est cool. Ah, faut que je prenne un land pour faire double brise sort. Ah non, parce que si jamais il a absorbe, ça marche pas. Oh ouais, je prends un land là. Je prends un land, 100%. On va tenter le double brise sort. Oh, il a absorbe. Putain, il est pas drôle. C'est pas grave. Du coup, on va aller gérer Tef. Ce n'est pas grave. Bon, il arrive à court d'idées. Je pense qu'il va devoir quitter. Faut que tu t'en ailles, Shadow Spider. Quelle est la carte préférée de Pierre-Louis? Je sais pas. Moi, je vous aurais dit Tazigur parce qu'il l'a beaucoup joué en EDH et on l'a aussi joué à l'époque en standard. Mais j'en suis pas certain. Ouais, je pense que si vous lui demandez, il pourrait légitimement avoir une réponse différente de la mienne. Non, j'ai pas trop d'attente pour Modern Horizon parce que je ne joue pas en moderne. Ouais, s'ils arrivent à équilibrer le format moderne avec, tant mieux. Ouais, j'ai pas plus d'attente que ça. Bon, c'est bon là, on peut te l'étaler avec ça ou pas? Parfait. Sa carte préférée, c'est le Kiri. Je sais pas, mais en plus, on en a déjà parlé, je lui ai déjà demandé, j'ai déjà dit que c'était Tazigur, il a réfléchi, il m'a dit, ouais, c'est peut-être celle-là, mais je crois qu'il y a d'autres cartes qu'il aime beaucoup. Et vous, est-ce que le chat sait quelle est ma carte préférée? Parce que Tibalt est mon Planeswalker préféré, et le Planeswalker qui me fait le plus marrer, mais ma vraie carte préférée, celle que j'adore jouer et que je trouve trop forte, je l'ai déjà dit plusieurs fois, donc si des gens le savent, je vous écoute. Je vais reposer les Tibalt. Hop. Non, c'est pas Animar, ça c'est mon commandeur préféré, c'est pas pareil. Non, c'est pas Choc non plus. Ce n'est pas Bolt, Hunta non plus. Un peu rincé cette main, voilà, regardez. Ah, c'est du bleu, bah, c'est pas grave. Bosquer, ils sont pas du tout. C'est pas Teferi. Ne quitte pas le stream. Alors, c'est une carte qui n'est pas en standard. Asia, je vais vous faire un petit. Vous allez chercher avec moi, ça va être rigolo. Ce n'est pas une carte de standard. Ce n'est pas une montagne. Ce n'est pas la meule. Trésor Map, c'était ma carte préférée du standard avant Allégeance. J'ai adoré Trésor Map, effectivement. Je sais pas si c'est toujours ma préférée, mais non, c'est une carte non standard. Ce n'est pas Black Lotus parce que je n'ai jamais joué avec. Ce n'est pas Frère de Bande d'Adjani, ce n'est pas Wrath of God, ce n'est pas Snapcaster Mage, et pourtant j'aime bien la carte. Le Schmilblick non plus. Ce n'est pas du rouge, comme nous demande Soeré. Ah, je l'ai dit en plus, hein. On voit que les anciens là, vous êtes pas hal quoi. Est-ce que j'attaque avec ce Ranger? Il peut juste me double bloc. Mais s'il me double bloc, en vrai je suis très content. Donc ouais, j'attaque. Il ne me double bloquera pas. Je connais que les cartes de standard, je n'ai aucune chance. Ouais, il y a de grandes chances. Ce n'est pas JT du Mezawa. Rue de la Paix, je ne connais pas. Ce n'est pas un Cavrul en slow qui a quand même des bons bails. Non, parce qu'à l'époque, j'ai changé mes Fetch Foil quand je jouais à l'époque de Carnage. Mais j'étais tout petit, j'étais au collège. Et en fait, mes Fetch Foil, je les ai changés contre des Cavrus. Parce que je ne savais pas ce que ça valait. Pour moi, un Fetch, c'était genre aller chercher un terrain pour un point de vie. Ça paraissait assez naze. Alors qu'en fait, c'est incroyable. Mais je ne le savais pas, je l'ignorais. Donc non, c'est pas un Cavru, ce n'est pas Buster Skull, ce n'est pas Caverne, ce n'est pas Sherazade, je sais même pas quelle est la carte Sherazade, ce n'est pas Silver Queen, ce n'est pas Lantax. Ah, c'est une carte du bloc, je dis bien du bloc, pas de l'extension, du bloc Mirrodin. Voilà, un petit peu plus... ce n'est pas Staz, mais j'aime bien juste le design de la carte, pas le gameplay. Est-ce que je paye de PEV? Non, c'est pas grave, je peux bloquer avec mon elfe. Je vais aller lui mettre 4 points.
Et espérer qu'il... De toute façon, j'acte que je perds contre ce match-up. C'est vraiment toujours la même chose, quoi. Je fais toujours soulever par ce deck. Achroma Delver, Menmark. Non, c'est pas Menmark. Tu n'es pas Richard Garfield, alors. Horrible. Sword of Fire and Ice. Ce n'est pas Sword of Fire and Ice. Belcher non plus. Pas Staz. Pas Pod. Non, parce que Pod, c'est le deuxième bloc Mirrodin. Pas le premier du nom. Ange de Platine non plus. Skullclamp, j'adore. C'est pas celle-là, mais Skullclamp, c'est de la belle magie. Non, c'est le Shield of Kaldra, j'adore. Les mecs, ils ont des refs de ouf. Non, c'est pas Pod. Pod, c'est la carte préférée de J-Rock. Il l'a dit à maintes et maintes reprises. Ce n'est pas Pince-Crâne, ce n'est pas Pince-Crâne. J'adore Skullclamp, mais ce n'est pas Pince-Crâne. Donc, bloc Mirrodin, ce n'est pas dans la première extension qui s'appelle Mirrodin. La carte est colorée, donc ce n'est pas un artefact. C'est pas interdit en EDH, Ridanos, Skullclamp, donc ça me gêne pas. Ce n'est pas Dents et Ongles. Zombie Glouton non plus. Bref, du coup, on est en train de se faire laver là. Ouais, on est en train de se faire laver. Ouais, ok. Non, j'ai dit que c'était pas Mirrodin. Ça peut être Sombre Acier ou Cinquième Aube. Non, c'est pas Nexus. Putain, mais c'est fou que personne pense à cette carte. Elle est incroyable, cette carte. Vous êtes fous ou quoi? Ouais, c'est une monocolore. Comment vous pouvez pas penser à cette carte? Ça me subjugue. Un bon gros viseur de Reach. Non, c'est pas blindage crânien, non. Ah, nuage mortel, j'adorais nuage mortel, mais c'est pas ça, Terrorcorn. Mais j'ai joué avec nuage mortel. C'est pas Enchance des étoiles, les pires. C'est pas Témoin éternel, et ben voilà. Bien joué, Percevaleur. Bien sûr. Putain, je l'ai dit plein de fois en plus. J'adore en plus les créatures qui ont des capacités de spell en fait. Un peu comme Snapcaster du coup. Eh oui, c'est Witness, Eternal Witness. Incroyable. Quelle belle carte. Eh oui, c'est Witness. En vrai, genre, c'est pas forcément facile à trouver, mais dès que je dis bloc Mirrodin, vous m'avez quand même cité un milliard de cartes. Genre, Menmark, tellement mille fois, ça doit mille fois moins venir à l'esprit que Témoin éternel, quoi. C'est incroyable, Witness, quand même. C'est une 2-1 pour 3 qui, lorsqu'elle arrive en jeu, te permet de récupérer une carte de ton cimetière, tout simplement. C'est une carte que j'ai adoré jouer en EDH et à l'époque je la jouais. Hein. Alors je l'ai pas joué en standard parce que je jouais pas ce deck là, mais je l'ai joué en. Je l'ai surtout joué en EDH. Dans quoi d'autre je l'ai joué Witness? J'ai quand même joué souvent en vrai. Dans mon passé de magicien, je l'ai joué dans quasiment tous les decks casus que j'ai montés aussi. Ça me parle beaucoup. Eh, j'ai très peu joué en moderne, mais oui, ça jouait dans Rock. Et il y avait aussi une version, je veux pas dire de bêtises, peut-être que je me trompe, mais c'était sûrement Lee Sheetian à l'époque, je crois, qui avait monté une version de Temur avec des Witness qui reprenaient des Cryptic Command. C'était une espèce de Temur Mid ou Temur Control. Je te parle de ça, c'était à l'époque des grandes années Pod et Splinter Twin, quoi. Et en gros. Tu jouais tes murs avec tout ce qui se faisait de mieux en mode des bolts, des fuites de mana, des cryptic commons et des witness pour reprendre tes cryptic commons. Et c'était très très beau. Le mec avait joué ça sur un pro tour et que de belles magies. Je sais pas si c'est Lee Sheetian ou pas. Je crois. Hein. C'était Shota. Voilà. Ah, c'était Shota Yasoka avec Eternal Command. Exactement. Voilà. Merci Untales. Putain, toi aussi t'as les vrais bails. Hein. Toi aussi, t'as les vrais bails parce que ça, c'est bails bresson. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se souviennent de ce deck ou alors qui se souviennent de cette époque-là. Et ben pour moi, ce deck-là, Eternal Command, c'est le plus beau deck que j'ai jamais vu à Magic. C'était peut-être pas le plus fort, c'était le plus beau. C'est genre, si vous me demandez quel est le plus beau deck qui a été fait à Magic, pour moi, c'est celui-là.
En vrai, il n'y avait que lui qui jouait ça en plus. Je trouve ça tellement incroyable. Quand t'es le seul à jouer un deck, comme moi, avec tes murs monsters, je suis le seul sur ce ladder. Ah, on rejoue contre TK10. Et on l'avait saucé, ben j'espère le ressaucer, tiens. On va lui faire comprendre qui c'est le boss ici. Merci pour le raid de Max Gun Hunter. Il avait fait quoi comme perf avec ce Eternal Command là? Si jamais vous vous souvenez, le chat, je me souviens plus du tout. C'était à tellement longtemps quoi. Je sais même pas comment vous vous souvenez du nom du deck quoi. Et que c'était Shota en plus, c'était même pas Lee Sin, j'ai n'importe quoi. Je vais payer les 2 points de vie parce que je veux creuser pour avoir mon land pour Krasis. Et dire que sur un malentendu, Abzan Knight du fameux Val de la chaîne Val EPL aurait pu être aussi fameux. Ouais, mais malheureusement, ça s'est pas aussi bien passé. J'avais pas les talents de pilote de Shota Yasuoka. Il avait pas fait finale? Si, si, ouais, bah il avait été haut, puisqu'il était dans toutes les tables filmées, qu'on en avait parlé, que c'était à l'époque d'un top 8, donc il avait. Mais je sais pas s'il avait gagné avec le deck. C'était vraiment de la belle magie. J'aimerais tellement que tous ceux qui connaissent pas, qui jouent qu'à Magic Arena, aient vu un deck comme ça tourner, c'était incroyable. Il y avait un délire, pas Nexus, parce que j'aime pas Nexus, mais il y avait un délire en mode tu ne feras plus de phase d'attaque, quoi. C'était assez ouf. Pour Fendeur de Monde, Super Plo, ça me parle de nom, mais je me souviens plus. Et merci à Brézou pour le sub, merci beaucoup. Si fier d'arborer ces 2 mois, mais ça fait grave plaisir. À 99%, on va rentrer dans le rank 1000, je vous le dis. Hein. T'aimerais qu'elle soit rééditée, Témoin Éternel? Mais tous les jours. Bah déjà, je la jouerai dans Sultai, déjà. En fait, il y a Finebroker qui est un peu comme... comme témoin éternel, mais ça coûte un de plus et ça a des manas colorés un peu nuls quoi. Isochrone Scepter et Negate, ouais. Trop fort. Putain, si, en vrai, les gens se plaignent sur Magic Arena et ils ont raison, de toute façon, on a le droit de se plaindre. Tant qu'on est joueur et consommateur du jeu, on a le droit de donner son avis. Mais quand si les gens savaient ce qui a déjà été imprimé à Magic. Je veux dire, une carte comme Skull Clamp, comme Blindage Crânien à leur époque, ou une carte comme Sceptre Isochronique, je veux dire, à l'époque, il y avait quand même, en étendue, il y avait Cantique selon Orym et Sceptre Isochronique, quoi. Genre, même actuellement, tu mets Sceptre Isochronique avec Negate, mais les gens hurleraient au scandale, quoi. C'est pour ça, peut-être, que les anciens magiciens sont moins choqués du power level des cartes, je dirais. Et merci à Dafalgan pour le sub, merci beaucoup. C'est ton premier sub, bah écoute, ça me va droit au cœur. Ouais, Yona, enfin, les gars, il y avait des trucs de ouf, quoi. Des trucs de ouf. Mais je sais pas pourquoi on se plaignait pas à l'époque. Peut-être qu'on était trop. On était bêtes en vrai, on aurait dû dire que c'était chiant, quoi. Ou alors moi j'étais trop jeune pour me plaindre et j'étais. Je suivais pas assez le circuit compétitif, donc peut-être que les gens se plaignaient et que je faisais pas attention, je sais pas. Ouais, rien qu'un standard avec Mana Leak, j'avoue que les gens. Les gens répétaient les plombs. Mais j'étais peut-être trop jeune pour me rendre compte que les gens pétaient un plomb. J'ai l'impression qu'on n'a jamais rien dit et que tout le monde trouvait ça normal d'avoir des cartes abusées. Alors qu'en fait, peut-être que les gens se plaignaient. Mais enfin, je sais que les gens se sont plaints de Coblade, mais ah, c'était tellement obvious que c'était fumé. Il y a eu des trucs qui étaient moins dominants que Coblade, mais qui étaient quand même super craqués, quoi. T'as joué Time Walk Ancestral Recall? Ah ouais, mais si t'es un ancien, forcément. Après, quand. Tout fait à peu près de la magie complètement obscure, forcément. Tu t'habitues, quoi. En fait, jouer Time Walk et Recall, c'est incroyable, hein. Mais si en face, les mecs jouent aussi Time Walk et Recall, bah, c'est pas si. Enfin, c'est plus si incroyable, quoi.
Band Company durant Eldritch Moon. Alors moi j'ai joué Rally Company juste avant Eldritch Moon. Et c'était grave cool, je trouve que c'était fort, mais c'était pas unfair, Hunta, tu vois. Alors peut-être que la version avec Eldritch Moon, je me prononcerai pas, je ne sais pas. Putain, on va juste explorer un max, quoi. Plus qu'à piocher une Krazy si on va gagner cette game. T'as dit que c'était quoi la carte préférée de PL selon toi? Alors je pense qu'il a énormément joué et aimé Tazigur, mais je sais pas si c'est elle. Mais je dirais Tazigur parce que là j'ai rien d'autre qui me vient en tête. Salut Santos Vela. Ouais, Krasis, ça serait juste un plus. Oh, méchant. Tarmogoyf a fait pas mal râler à cette époque. C'est pile l'époque où je suis rentré au lycée. Du coup, j'ai arrêté de jouer pendant 1 ou 2 ans à Magic. Et c'était l'année où il y a eu Tarmogoyf. Donc, je n'ai pas fait partie de ces joyeux qui ont récupéré 16 Tarmogoyf. Malheureusement. Maintenant, on a un Tarmogoyf pour notre cube. Tant pis. En vrai, il doit se prostituer s'il veut faire des bons blocs. Ça me va. Restauration Angel, quelle belle carte. Huntmaster. Mais ça, c'est. Ah, Siege Rhino, ça aurait fait gueuler les gens, ouais. Je pense. Alors, c'est comment son bloc? Il a tout donné là-dessus. Ok. Ok. Ouais, Siege Rhino, ça aurait fait gueuler, je pense. Mais pas forcément Huntmaster ou Angel. Hop, je vais vous remettre un petit peu de son. De son. Brise-sort Grull. Si on met Brise-sort en célérité, est-ce qu'on a le létal? On va dire qu'il bloque les trois plus grosses là. On a le létal. À moins qu'il ait une interaction à 1, mais je ne me souviens pas qu'il y en ait dans ce standard. Des interactions rapides à 1. En tout cas, pas jouable dans Sultai. Je viens de regarder la rediff de PL, surtout dis-lui que ses intros sont géniales. Écoute, j'y manquerai pas Jean-Michel Cool, mais n'hésite pas à aller lui dire tout. Yes, on est rentré en top 1000! Ah non, merde, on a juste un rang, on n'est pas dans le top 1000. Et donc je lui dirai, mais n'hésite pas à aller lui dire aussi. Ça lui fera plaisir. Oh, Trackdust, c'était dégueulasse. Il y a Fongal Infection, effectivement. Tu as raison, Santos Vela. Mais c'est vrai que la carte est tellement plus jouée. En fait, Winnie White est tellement plus un problème qu'on voit plus. Enfin, Adanto Vanguard est tellement plus un problème qu'on ne voit plus Fongal Infection. Mais effectivement, vous avez raison. Mais vous êtes trop fort. De toute façon, un chat est forcément plus fort que le streamer parce que le streamer est concentré. Donc du coup, il dit des bêtises, évidemment. Ah, j'ai pas joué au tout début, mais je veux bien te croire que Mind Twist, ça faisait de la belle magie, ouais. Ouais, Trackdust par contre c'était vraiment de la merde. Oh là là. Trackdust into Restoration Angel. Oh là là. Ange de la Restauration et Trackdust, quelle horreur. T'es un mono rouge ne pouvait pas exister. Hein. Et pourtant à l'époque on jouait. Je me souviens, on jouait noir rouge zombie. Avec l'aristocrate et tout, l'aristocrate vampire. Je me souviens même pas comment on faisait pour battre un truc comme Trackdust Restoration Angel. On va mulligan cette main, qui me paraît pas assez rapide. Elle est pas forcément mieux, mais je suis moins exigeant du coup. Je me souviens pas de dilatation de l'esprit, non. C'est pas une carte dans Odyssée où tu vois une espèce de cerveau? Je me souviens plus. Ça fait quoi d'être top 1000? Mais je suis pas top 1000 du coup, je suis 1148, j'ai juste un rang. Par contre, lui, il est pile top 1000, quoi. Non, j'ouvre pas mon vol, comme ça je vois à quel pourcentage il est. Et en plus, on tombe sur le pire match-up, lui, on va juste se faire rincer, quoi. Ah, Umeza Wajid qui était dans un préconstruit, Deimos. Est-ce que vous vous souvenez de ça?
de cette hérésie. Du coup, le préconstruit était en rupture de stock. Je crois qu'il a même été retiré de la vente. J'étais jeune, j'étais en troisième à l'époque de Umezawa Jite. Avec Inkai's. J'adore cette carte, Inkai's Servante Oni. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une carte qui permettait de se jouer en ninjutsu, et dès qu'elle touchait le joueur, vous pouviez réanimer une carte de son grave. C'était incroyable. Et c'était dans le préco avec JT du Umezawa. Bah, j'adorais cette carte. Ça a été longtemps une de mes cartes préférées, Inkai's. Genre, votre pet carte, c'est votre carte casu préférée. Bah voilà, Inkai's. Regarde la carte à la fin de la game, tu vas comprendre. Ouais, j'irai regarder, je vais aller voir. Tu me rediras le nom si je te demande, parce que je me souviens plus. Dilatation de l'esprit, c'est ouais, c'est ça. Le deck rat, il me semble, exactement, Crocard. Putain, il y a des anciens sur ce stream, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je sais même pas pourquoi je joue contre ce match-up. Je me fais toujours ouvrir les fesses. Tu te souviens avoir échangé Akroma contre Vizardrix? Bon, en vrai, ça va, t'as pas trop perdu, quoi. Ouais, on a acté qu'on gagnerait pas contre Winnie White, mais c'est pas très grave, puisqu'on gagne contre d'autres trucs, quoi. C'est la carte préférée de Kyo Inkai's. Putain, et je crois qu'il me l'avait dit en plus, ça me parle, ça me parle. Bah, j'adore, elle est trop bien cette carte. Mais non, je voulais qu'on cède, oh là là. Ah, est-ce qu'on sort de ce top 1000? Du coup, on fait l'amour en bonne et due forme au top 1000? Effectivement, puisqu'on rentre et qu'on sort, on lui fait l'amour. Ok. On va essayer de re-rentrer, du coup, si vous le permettez. Kamigawa, c'est probablement le standard le moins fort depuis Homeland. C'est pas vrai ça, attends. Alors à l'époque à Kamigawa il y avait Greater Good, franchement c'était trop bien comme archétype. Il y avait Manivore, Casterin. Franchement ça, si ça existait sur Magic Arena, genre œil de néant, tour 2, je te bounce ton land, tour 3, pluie de pierre, tour 4, démolition, tour 5, je sais pas moi, un piocheur plus encore un pet de terrain, tour 6, Wildfire. Et en fait ça servait à rien de faire Wildfire parce que le mec avait plus de land. Et tu posais Manivore t'attaquer, déjà les gens râleraient, et franchement c'était fort. Et je crois que le deck dominant de l'époque de Kamigawa, Ravnica premier du nom, c'était Orzhov Mid, enfin aggro. Et franchement, c'était super bon comme deck, quoi. Donc je suis pas d'accord. Tous ceux qui détractent Kamigawa, moi j'ai adoré cette époque-là, quoi. Il y avait aussi Big Blue. Je sais pas si vous vous souvenez de Big Blue avec Time Stop, arrêt du temps. C'était trop bien. Enfin, moi, c'est mes prémices dans le. Pas le jeu compétitif, mais sortir de la casualisation pour comprendre un petit peu comment on joue à Magic de manière un petit peu plus intéressante. Et j'ai adoré, moi, cette époque-là. Val, le plus important, c'est de savoir où tu vas finir, dedans ou dehors. J'aimerais bien finir dedans, pour le coup. Ouais, je vous remettrai la liste après. Mais ouais, c'était trop bien, Kamigawa, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les gens détractent Kamigawa comme ça. C'est sur le stream de Kawa quand on était tous invités, qu'on faisait l'émission avec des Praz. Je sais pas, à un moment, je crois que les gens parlaient de Kamigawa. J'étais le seul à dire en mode bah non, c'est bien Kamigawa. Je sais pas si c'était à cette émission-là. Peut-être que je me trompe. Peut-être que sinon c'était sur le chat d'un stream en duo avec PL. Mais genre, je suis un fervent défenseur de Kamigawa. Et on reprend un match-up que je. Que, enfin, on reprend Winnie White. Hein. Ouais, c'est vrai que Kamigawa, il était coincé entre Mirrodin et. Putain, les sorties qu'ils font, quoi. Entre Mirrodin et. Et Ravnica, donc forcément Kamigawa, enfin, il reste moins dans les mémoires, mais franchement un bon deck, un bon bloc. Il y avait les Gelbliant qui jouaient dans Izzet Machine Gun quand le pacte des guildes est sorti. Est-ce que vous vous souvenez de ce deck avec la Gelectrode Izzet Machine Gun? C'était super stylé. Je sais même pas pourquoi je me bats encore, mais bon, on va essayer. C'était grave, grave cool. Alors en vrai, Mirrodin, c'était relou. Enfin, il y avait un deck dominant, un deck qui battait le deck dominant, et c'est tout.
D'ailleurs, je suis deg de pas. En fait, j'ai fait aussi une pause après le bloc Ravnica, quand bah justement quand le bloc Time Spiral est sorti, et du coup, j'ai pas pu jouer le Bulot Puiseur, et j'adore cette carte. Encore une carte, une pet carte qui me ravit de jouer, quoi. Ok, on va encore perdre celle-là, c'est dommage. Du coup, on est bien sorti du top 1000 là. Ah, est-ce que gagner des PV c'est mieux que mettre deux bloquants? Je crois pas, hein. Je crois que ça va être mieux de mettre deux bloquants là. Je crois. C'est fort probable nous baisse. Là, je suis plus trop dans la game vu que c'est un match-up qui m'intéresse pas trop et que je sais ultra négatif. Je suis plus à suivre le chat. Il y a des chances que je joue pas très bien la game, ouais. Je crois que on a fini de faire l'amour au rang mythique, malheureusement. Je crois qu'on finira dehors pour ceux qui se posaient la question. Ouais, Gift and Given, c'était cool. On jouait Cranial Extraction qui est un peu comme une Mordigo à l'époque. Ça m'avait valu une game lost en finale des JSS parce que j'avais pas rentré mon Jean Illuminatus, qui était mon kill alternatif contre Cranial quand je jouais Manivore. Et j'étais extrêmement déçu vu que j'étais fort jeune. Je n'avais pas compris pourquoi j'avais été DK alors que j'avais juste oublié de faire quelque chose, quoi. Enfin, j'avais pas été DK, j'avais pris game lost à la troisième game en fait. Donc ça revient juste à perdre en fait. Et l'arbitre avait dit bon, t'as game loss, mais bon, on était des minots, c'était les JSS, les juniors spécialistes, c'était les moins de 16 ans. Il dit en gros, tu as perdu pour notre fiche, je sais pas, pour les stats, pour Wizard ou quoi, mais vous pouvez finir la game pour les lots. Et mon adversaire avait dit ah, non, non, j'ai gagné, je finis pas la game. Et ça m'avait traumatisé vraiment. Une expérience très. J'étais trop jeune pour accepter de perdre sur un game loss parce que j'avais 59 cartes dans mon deck. C'était la première fois où j'apprenais à respecter des règles qui me dépassaient un peu, quoi. Mais il le fallait, hein, c'était bien, mais. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça m'avait fait vraiment tout drôle. Je crois que je gagne plus à faire ça. En vrai, je vais perdre cette game, qu'importe comment je la bloque, comment je la négocie. Grande classe. Ben, tu sais, on a 15 ans, quand tu passes de une boîte de booster à 12 boosters. Je peux pas lui en vouloir, hein. Je peux pas lui en vouloir en vrai. Genre, t'as 15 ans, on te file une boîte de booster, c'est énorme. Enfin, moi j'étais là en mode waouh, c'est trop bien. Donc, je peux pas lui en vouloir avec le recul. Je sais pas comment j'aurais réagi pour le coup. Je pense que j'aurais aussi accepté ma victoire. Ouais, c'est juste que. En fait, prendre des game lost, après, ça arrive. Si jamais tu fais beaucoup de tournois, tu t'en prendras d'autres, tu vois, même sur un deck check ou sur une connerie. Mais c'est juste que moi, j'ai. À 15 ans, tu comprends pas un game lost, en fait. Tu le comprends pas comme quand t'as 25 ans et que tu fais un GP, quoi. C'est pas pareil. J'ai l'impression que tu le comprends moins bien. On est à 1 là pour l'instant. Ah non, je crois qu'on est mort s'il attaque avec tout. Ok, on va blo si on bloque comme ça et comme ça, normalement on est mort. C'est bien, hein? C'est quoi un deck check? C'est quand les arbitres viennent vérifier que le deck que tu as listé est exactement le même que le deck que tu joues. Parce que dans Magic Arena, il peut pas y avoir d'erreur. Mais IRL, tu peux mentir, tu peux te tromper, tu peux mettre 6 fois la même carte au lieu de 4. Donc du coup, il y a des deck check. Et game lost, c'est-à-dire que tu perds une des games. Donc si t'es en BO3, bah, tu commences avec 0-1 par exemple. Et si bah, vous êtes à 1 partout et que t'es en train de jouer la troisième, si tu prends Gain Loss, t'as perdu. N'oublie pas Dilatation de l'esprit. Attends, ouais, je vais voir maintenant. Dans mon écran retour. Qu'est-ce que c'est que Dilatation de l'esprit? On va regarder cette main, elle est très bien. Ah, elle est vraiment bien.
Alors, c'est la lune hermétique. Ça coûte 7. Je vois pas le dessin encore. Attends. À chaque fois qu'un adversaire lance son premier sort à chaque tour, ce joueur exile la carte du dessus de sa bibliothèque. C'est une carte non-terrain. Vous pouvez lancer sans payer son coup de mana. D'accord, ça doit faire plein de combos. Par contre, je vois pas le dessin. Donc. Alors, attends. Je vais aller voir après. Toujours mettre ça parce que si on. Non, en fait, là, il n'y a pas d'intérêt de jouer ça. De jouer ça plus que bassin d'élevage. Hein. Parce que des fois, on se ferme la possibilité de faire phénix, en fait, si on joue pas d'abord nos manas rouges, mais là, c'est pas le cas. Pourquoi j'ai pas le dessin? Ah, c'est quoi ce dessin? J'en connais qui ont pris des game loss car ils n'ont pas écrit Urborg tombe de Yogg-Saggul, mais juste Urborg. Eh ouais. Mais je crois que c'est des trucs qui peuvent arriver, tu vois. C'est des trucs qui peuvent arriver. Surtout que Urborg, c'est bien rincé comme carte, quoi. Ah, on peut faire une turbo sortie de la mort qui tue quand même. Hein. Peut-être que c'est bien de le garder en vrai. On va le garder. Du coup, je suis allé voir Dilatation de l'Esprit, mais je comprends pas Crazy Gaming. J'ai oublié le contexte dans lequel tu m'as cité la carte. Joue tout en main phase 1 pour faire grossir mes marcheurs, hein, bien évidemment. Comme un nulos. Du coup, on va prendre une grosse vrasse et on va rentrer chez nous. Ça va être très bien. Et on peut même pas garder ce phénix parce qu'on n'a pas. On n'a pas de rouge. Je sais pas pourquoi, vu qu'il avait entamé avec marée de base et. Et chapelle, je pensais que c'était un midrange blanc-bleu. Donc du coup, je suis assez déçu d'avoir gardé ce marcheur en fait et d'avoir commit mon board comme ça. Alors on pourra être récompensé s'il a pas Vras, mais il y a de grandes chances que qu'on commence à mal jouer sur ce stream là. Qu'on soit trop dispersé pour jouer des games de mythique. Il y a de grandes chances. D'accord, ok Crazy Gaming, bah vas-y MP moi. Ok, on n'a pas été puni. On sera sûrement puni le tour d'après, c'est pas très grave. Par contre, on va lui mettre masse points, donc c'est bien. Je vais quand même land. Ok, il l'a trouvé, super. Je vais continuer à l'agresser. C'est pas perdu, on n'est pas bien dans cette game, mais c'est pas perdu. Ouais, j'avoue qu'une carte comme ça peut vite être dégénératif, Crazy Gaming. Fubar GMG, je te conseillerais le Challenger deck Winnie White parce que je pense que c'est celui qui est le plus complet si tu le prends en deux exemplaires ou alors si tu achètes à l'unité quelques cartes pour essayer de le compléter. Je pense que c'est le meilleur. Après, ils sont tous corrects. Le Golgari est un peu moins bien que la norme, mais les trois autres sont corrects. Après, tu peux même tuner le Winnie White avec un petit peu de bleu. Ah putain, si on trouve un top deck célérité là, on le sauce. Ah, dommage! Dommage. J'aurais kiffé trouver un Spellbreaker et gagner. Mais ça n'a pas été le cas. Ouais, du coup tu peux upgrader aussi, tu peux te payer luxe si jamais t'as 2-3 sous à investir en plus que les Challenger deck, tu peux rajouter du bleu et avoir le side de Winnie White avec le bleu pour negate et compagnie quoi. Oh, il est obligé de. Ah non, il peut faire double mépris là-dessus. D'accord. Il est quand même pas frais pour move comme ça. Hein. Il se remet bien. Ok, Crazy Gaming.
Oh là là. Ouais, il est en train de me faire du sale de ouf par contre. Faut que je trouve un truc comme Phoenix là, qu'il ait du mal à gérer. Allez, top deck quand même correct. Non mais ils sont vraiment bons dans tous les cas, Fubar. Ah c'est la fin là, il va prendre quoi? Il va prendre un anti-bet je pense. Et là faut encore que je top deck, je peux pas tout le temps top decker bien quoi. En vrai le dinosaure serait bien là, Régisor s'il prend un anti-bet. C'est pas mal de prendre entrave d'Ixalan. C'est pas mal mais en même temps si je top deck Vivienne va être très déçu. Je vais la jouer, j'ai pas le temps d'attendre un mana supplémentaire. Bah, il servait à lui proposer un point de dégâts, Jean-Michel Cool. Mais effectivement, si je le posais pas, il pouvait pas gagner autant de PEV. Et je pense qu'il aurait joué autrement. Faut pas dire genre, s'il n'y avait pas ton elf, t'avais gagné. Parce que je pense que du coup, il pouvait peut-être pas, il aurait pas fait les mêmes enchaînements de play. Il avait quand même beaucoup de cartes en main. Salut David au David. Oh bah j'y vais, hein, je mets tout. Hein. J'ai pas le time là. Tu as dit full merde, désolé. Okay. Ça va Jean-Michel, pas de soucis. Mais je pense que effectivement, si je réfléchis à la game et que je me concentre pas sur le chat, je dis que lui donner une cible à Vraska ce qu'on t'aime, t'es pas forcément très très intéressante. Ça se discute. Je ne sais pas. Je pense pas qu'on rentrera dans ce top 1000. Oh là là, il faut qu'on top deck. Qu'est-ce qu'on peut top decker qu'à célérité là? On peut re-top decker un Régisor, c'est tout. Ok, pas ça. Pas ça, pas ça, pas ça. On a déjà 6 mana, on n'a pas forcément d'intérêt à poser ce terrain de prédilection. Ouais, en même temps, on va juste poser tout ce qu'on pioche. Donc. Hop là. Oui, c'est le vrai David au David, Jean-Michel Cool. Je lui ai posé la même question la première fois. Est-ce que ça se fait absorber un truc comme ça? Combien il a passé de cartes? Il a passé ses 3 acquisitions. Il a pas passé d'absorb. Peut-être qu'il joue une version sans absorb, il y en a, ça existe. Surtout les versions d'Ovan Acuity qui gagnent tellement de PV et font tellement de choses en mode tap out que au final ils gardent rarement de mana pour faire absorb. On va voir, je vais tenter. Ah, il n'y a pas absorbe, ok. Bon, Rakshar. Qu'est-ce que tu peux faire? Du coup, là, il peut faire des tokens 1-1 à foison. Non, des tokens 2-2. Ça a l'air chiant. Ça a l'air de tuer mes phoenix. Du coup, je suis pas rendu encore. Ok. Mais est-ce le vrai Jean-Michel Cool? Exactement. Salut à toi, Éjaculatron. C'est quand même bien relou. Ok. Je le pose pas parce qu'au pire je pourrais le poser pour faire ma Krasis à 8. Si jamais je top deck une Krasis. Ce qui est peut-être la seule chose qui peut nous faire encore revenir là, actuellement. Il va me tuer avec ça. Hein. Bon, il aurait raison. Ce pseudo de toute beauté. Effectivement. Oh, on était rentré dans le top. Ah, ça, c'est bien, ça. Eh ben, on va peut-être y revenir. Ah, que des bonnes cartes. Yes.
Pas de Banfire. Non, je joue pas de Banfire dans ma liste. Parce qu'en vrai, j'ai un match-up très décent contre Esper Control, donc j'ai pas besoin d'avoir une mauvaise carte contre le reste. Là, effectivement, je la perds, mais c'est pas représentatif de l'ensemble des matchs que vous allez jouer contre Esper Control. Avec que des Marilyn là. Hein. Là, c'est que des bonnes draws. Marilyn bonne draw pour ceux qui connaissent pas. Ok. Je commence à faire full magie. Je commence à prendre full PV. Je pense que je peux l'avoir sur un. Qu'est-ce qui pourrait le tuer là? Parce que je peux faire Domri célérité, mais il prend que 3. Du coup, il le voit venir et derrière, je suis mort. Faudrait que je refasse des Crasis dégueulasses, je pense. Ça m'a l'air d'être mon seul play. De chercher Crasis. Ouais, j'en attendais pas autant, écoute. Il est vraiment bien ce collègue là. On l'a pas joué pendant longtemps, moi je l'aime bien. Ok, ok, ok. Bon, on est quand même très très loin d'avoir gagné. Mais on peut encore faire des trucs. Bon, au bout d'un moment, je vais arrêter d'avoir des bêtes. Ah non, j'en ai quand même 1 milliard, donc... Ça va être dur. J'ai une dalle. Je vous explique même pas. En plus, là, je remballe tout après et je prends la voiture pour rejoindre ma chérie. Donc je mange pas direct après le stream, j'ai faim comme jamais. Comme jamais je n'ai eu faim. M'attaque avec tout, donc il est quand même très confiant dans sa main, quoi. Ouais, ok. Okidoki. Je suis en train de me faire satel, comme on dit. Je rejoins l'ISS doucement, quoi. Ouais, je crois pas que je vais payer ce PV. 3, 4, 5, 6. Je crois pas que ça puisse me sauver. Non, I'm gonna die. The Conish. Ok, bien joué à lui. Je décède et je vous laisse sur cette série de défaites, malheureusement, qui nous a fait sortir définitivement de ce rang, de ce ladder mythique. Du coup, on a stagné. Je suis désolé, on est rentré, on est sorti. On a fait l'amour au rang mythique. Je n'hésiterai pas à utiliser ce titre putaclic pour la rediff de stream. Merci à... Je crois que c'est Lancelot qui a trouvé ça. Merci à lui. Du coup, je vais vous abandonner parce que je vais aller manger. Je vous remercie d'être... Et je vois que vous êtes 314. Incroyable. Vous êtes beaucoup. Merci beaucoup. N'hésitez pas à repasser bah, du coup jeudi soir. On va caster l'invitational avec PL. Ensuite, n'hésitez pas à aller ce week-end sur la chaîne Solary Event. On va caster chez Solary pour le plus grand tournoi Magic Arena du monde, le premier. 1 million de dollars de cash prize, ça va être incroyable. J'espère que la communauté sera ultra présente pour venir nous soutenir. Ça va être vraiment très cool, moi j'ai hâte. Au-delà d'être commentateur et d'aller chez Solary, en tant que spectateur, j'aime énormément la belle magie, mais j'aime surtout la magie compétitive. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, ça va être vraiment, vraiment, vraiment cool. Je pense que les games vont être incroyables, j'espère vous voir nombreux.
Que vous dire de plus? Mercredi soir, demain soir à 17h, il y a une vidéo récap sur l'Invitational qui vous présente tout. Le format du. Enfin, la structure du tournoi, le format qui va être utilisé, donc le duo standard, les forces en puissance, c'est-à-dire les participants. On a essayé un petit peu d'iconiser, de vous raconter un peu deux, trois histoires ou quelques palmarès des joueurs qui ont été invités ou alors des joueurs de la MPL, histoire que vous pouviez un petit peu suivre vos champions, même si on sera tous derrière les Français, donc Gabriel Nassif et Jean-Emmanuel Depraz, j'imagine. Et puis voilà quoi. N'hésitez pas à nous suivre. C'est vraiment important. D'habitude, comme je le dis assez souvent, on s'en fout un petit peu des stats. On fait le même stream devant 10, 20, 30, 50 personnes que si on était 300, 400. Mais sur des moments comme ça, c'est important. C'est important le nombre. Et je sais que la communauté est capable de se soulever, de montrer que la France est un grand pays de Magic. Et que les gens vont aller voir ce stream et vont se déplacer pour regarder du Magic Arena, qu'importe que ça soit avec nous ou pas, mais allez voir l'Invitational, c'est super important. Voilà, on m'a demandé qu'est-ce que tu attends sur la méta double standard? J'attends beaucoup d'Esper Control et après d'autres decks type agressif comme Winnie White, Mono Red ou alors Gruul. Je pense qu'un truc comme Temur, Réclamation est un très bon choix dans une line-up pour battre les Esper Control parce que je pense que la plupart des Game 3 seront des miroirs d'Esper Control. J'espère qu'il y aura des decks PC ou des decks inattendus, genre Big Red Krasis, mais on verra. On verra, voilà. Il y a un guide qui vous a été linké par Machouz. Merci beaucoup d'avoir linké le guide de l'Invitational. Vous retrouverez toutes les informations dedans. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo qui sort demain soir. Je vais vous envoyer chez le collègue MaybeHS, qui est un collègue à Davido David, ancien joueur de Hearthstone et qui découvre avec passion Magic Arena. Donc voilà, je vais aller le raid et puis si jamais ça vous plaît, vous pouvez passer sur son stream, rester avec lui, ça peut être sympathique. Alors attendez, bougez pas, on va faire ça. Tac, 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 je regarde comment ça s'écrit. Et puis voilà, j'ai lancé le raid. N'hésitez pas à le rejoindre. Merci à tous d'avoir suivi ce stream, c'était fort sympathique. On a joué Temur Monster sur ce ladder mythique. Ça n'a pas tout le temps bien marché, mais on a réussi à rentrer pas dans le top 1000, dans le classé. Donc c'était cool. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour le cast. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci tout le monde. Ciao, ciao.